à tous et bienvenue, je suis Nicolas Guise pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit live en mode tranquille. Ce soir on continue notre aventure et découverte sur Spiritfarer. Du moins je l'espère, parce que juste avant de lancer le live, j'ai mon PC qui a commencé à faire de la merde. Donc on va voir, hein. Je sais pas si le live de ce soir va durer durée normale de live, hein. J'en ai aucune idée. On va voir ce que ça va donner. Attendant, bonsoir tout le monde. Salut à ceux qui sont déjà là, salut Naiko, salut Dragon, salut Islin, salut tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Pour le coup, comme je disais, on reprend, j'espère, sans trop de problème, Spiritfarer. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté. Je sais plus où. Si, on avait fait notre premier passage. Là, c'était quoi qu'on avait? On s'était arrêté. Oui, on s'était arrêté au chantier naval. Donc, allez, attends. Ah, mais tes cheveux! On dirait que quelqu'un est allé chez le. Quelqu'un est allé chez le bébé herbier. À cause du mouton sur le bateau. Ouais. Au secours. Donc, du coup, ça on pouvait pas faire. Ça, on est ok, on peut pas faire. Lingot de fer 1. Ah oui, non, ça j'ai fait. Lingot de zinc, poudre de silice. Ça, je ne peux pas le faire. Ici on a quoi? Ah, on pourrait payer ça, tu vois. Oh, je vais péter. Boum. Et ok, il restera deux améliorations de taille à faire. On verra ça plus tard. Du coup, est-ce qu'il y a des pommes ici? Non, il n'y a pas de pommes ici. Est-ce qu'il y a des cerises ici? Il n'y a pas de cerises ici. Est-ce qu'on a des cultures ici? On n'a pas de culture. Ah mais on est pauvres, mine de Dieu! En plus, on n'a rien à planter. Rien à planter ici. Oh mais la pauvreté! La pauvreté de chez pauvreté, mine de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Améliore la maison d'Atul en ajoutant un bureau d'Atul. Un poulet frit. Ah oui, le poulet, on n'a pas de poulet. Nordvoy, ouais, la campagne d'Iwashima, musée, je crois qu'on peut pas encore y aller. Ah si, quoique, je crois qu'on s'était fait le brise-glace. Je crois. Techniquement, on le voit s'il y a un brise-glace. Ouais, il y a du métal. Du métal. C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est qu'on est un passeur d'âme et voilà. Évoluer dans un monde où on arrive et on y rencontre des gens qu'on va amener jusqu'à leurs derniers instants, dirons-nous. Du coup, Atul, c'était ici. Le bureau. Planche de chêne. Alors, j'ai pas de lingot d'aluminium. Et tissu de lin. Ouais. Planche de frêne. Frêne, je crois pas en avoir. Et salut Tina, salut Rockstar et salut Blue, comment allez-vous? Et j'avais pas vu, mais oui, ça va très très bien. Va falloir trouver des graines. Ouais, va falloir trouver plein de trucs là. C'est la dèche, hein. Donc 10 tissus de lin et 5 planches de chêne. De lin. Est-ce que je peux faire du lin? Oh. Oh, non. 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 Et c'était des planches de... Je m'énerve, je vous le dis, je m'énerve. De chêne? Ah, merci. Ça,
Non, c'est pas ici. Vous avez demandé un poisson rouge, ne quittez pas, hein, on va s'occuper de vous. Planche de... Bouh, plein de chaînes, hein, vas-y, fais le péter, vas-y, faire 5, allez go. Ouais, mais la lue, je crois pas que je puisse le faire pour l'instant. Donc je veux déjà crafter tout ce que je peux, histoire de voir qu'est-ce qu'il me manque réellement. Tac, donc là on est bon. Donc, on est d'accord que là, il me manque... Ah, c'est du tissu de lin. Qu'est-ce que j'ai crafté? Qu'est-ce que j'ai crafté? Pommes. Donne les pommes. Ah oui, si jamais ça, vous avez pas remarqué, ce soir c'est mode détente. Hein. Comme d'hab, mais en plus. T'as crafté celui d'à côté. Ah, j'ai fait du fil de laine et pas du fil de lin. Voilà, donc là on est bien. Donc aluminium, je crois pas que je puisse en faire. Planche de frêne et bouteille, et ectoplasme en bouteille, ça je n'ai pas. Ici. Ici on est bien. Ici. Ah, du fil de lin. Mais j'en ai plus du fil de lin. Et pour ça il me faut des graines de lin. Lingot d'aluminium. Oh, ça je peux le faire. Donne. Voilà. Ici. Lingot de zinc, non, ça j'en ai pas. C'est bien la détente avec Spirit Fire. Ah mais clairement, ici on fait les raids 8 et 24 de F14, puis on part finir KHBBS. Ah bah nous on est en train de se les remater avec la régie en ce moment. Lingot de fer. Il m'en faut 4. Donc 4 lingots de fer. Y aller. Non, touche pas mes cerises, c'est les miennes. Va-t'en, c'est mes cerises. Du coup. Quel lingot de fer. D'ailleurs, ça me fait penser à F14. Je pense que cette semaine, on se fera un petit live sur l'event. Que je continuerai, parce que ça va prendre toute la soirée, évidemment, hein, comme on se doute bien. Parce que les events FF14 ont début de s'étorcher, hein. Donc ouais, on fera ça en début de live et ensuite passera sur autre chose. Peut-être deux petites quêtes à faire sur tes os, je me dis ça peut être sympa. Et selon le temps que ça mettra, peut-être repartir après un jeu de Google, sur des trucs et des machins, bref voilà. Des trucs à faire. Ça va être un live totalement décousu, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. J'ai fini Terra et Ventus et fut après une double crise d'adolescence, j'ai enfin un perso qui a un cerveau. Ah mais Terra, il a un cerveau, c'est juste qu'il est naïf. Ventus, il est débile, mais bon, voilà. Bon, ici, est-ce qu'on a tout construit déjà? Poulailler, non. Champ, oui. Moulin, non. Il me faut du
du marbre, j'en ai pas. Planche de chêne. Ah, il me manque 4 planches de chêne et je peux faire... Ah non, verger, on a déjà. Quand la mouton, on s'en fout. Poulailler. On fait du frêne, de la laine et du cuivre. Donc il faut 4 laines de plus. 4 tissus de laine. Et je crois que c'était du cuivre. 4 ou 5 de cuivre, je crois. 5, c'est pas très bien. Faut que je finisse aussi le 100% de Terra, plus le 100% de Nathus, ça quoi. Bon courage. Et salut Joker, comment ça va? Oh Joker, il nous parle encore en direct de sa cabine de train. Nickel et toi? Ben ça va tranquillement, écoute, petite soirée de la détente sur Spiritfarer. Donc ça va très très bien. Donc là on est bien, il me faut juste du frêne, que je n'ai pas. Et ça, le concasseur, il me faut du pulsar, du frêne et du zinc, je n'ai rien du tout. Moi après avoir fini Terra, bon faut que je fasse gaffe à pas écraser la sauvegarde, hein. Devinez ce que j'ai fait en premier en arrivant sur Ventus. Ah c'est con, tu vas devoir refaire Terra. C'est quand même très con ça. Bon après, maintenant tu le connais, ça va aller vite. Ouah, y a des problèmes de chouchou ce soir. D'ailleurs ça me fait penser, vu qu'on parle RPG. Une fois qu'on aura fini les FF que je veux faire, je pense que je sais ce qu'on quelle sera l'autre licence sur laquelle je vais faire pas mal de jeux. Je peux pas appeler ça une intégrale, mais bon voilà. Parce qu'il y en a encore qui vont me dire oui mais tu as dit que c'est intégrale et tu fais pas tous les jeux. Surtout. Le son du jeu est peut-être un poil fort. Ah! Attends, faisons ça. Oui, je suis obligé de faire un retour Windows, c'est chiant, mais je suis obligé. Vous me direz. Du coup. Alors techniquement, on a le brise-glace, donc on devrait pouvoir... Alors c'est lesquels la glace? C'est lesquels les cailloux? La glace, je dirais... Ouais, c'est bleu, ouais, ça me paraît bien. Eh bien, écoutez, on va aller là. Nordveiller. Ah, je crois que je devais y aller, là, en plus. Bon, il faut un bus. Où est le bus le plus... Où je... Déjà, où je suis, moi? Oui, je suis là. Tac. Et bye, dragon. D'abord. Oh, ce bordel. Si, par contre. Tournée générale. Toi. Mange des pommes. Ah, ça fait câlin avec une pomme. Voilà. C'est fait. Suivant. Toi. Mange des cerises. Et câlin. Et les autres on va voir après, donc on est là, on va faire le TP. Prenons le bus, pour se gagner un petit peu de trajet. On va partir d'ici. On pourrait pas faire un petit tour sur les îles pour des graines? Bah en soi sur les îles, les graines ça s'achète en fait, donc donc on verra bien. Le mieux c'est, oui, comme je dis, c'est d'aller chercher sur des caisses qui flottent dans ces trucs là. Il y a des chances d'avoir des graines.
Et vu que je suis radin, je vais pas acheter de graines. Du coup, eux c'est fait, ça c'est fait. Suivant, toi. Mm-hmm. Je suis affamé. Oui, bah c'est pour ça que je suis là. Arrête de râler. Tiens, mange des cerises. Voilà, et câlin. Voilà, t'avais besoin. Très bien. Toi. Ne me tire pas. Mais oui, je suis là pour ça. Allez, cerise. Ah non, t'en as déjà mangé. Mange des pommes. Câlin. Bah, c'est distribution. Là, on y va. Allez, hop, hop, hein. Perds pas de temps. Voilà. Tout le monde est content. Tout le monde est là. C'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait au début? Au départ, on va pêcher. Parce que je peux rien faire d'autre en termes d'amélioration ou quoi que ce soit. Pêchons. Nul. Une bouteille vide. Câlin de serpent, c'est pas un peu dangereux? Non, mais c'est un serpent, elle est cool. J'ai oublié comment elle s'appelle. Summer. Elle est trop cool, Summer. C'est quoi ça? Ah, c'est d'accord, on est en train de passer la glace, ok. Très bien. Oui, j'oublie pas ton bureau, Michel, laisse-moi tranquille. Ah, oh, ça neige! On a le... on avance dans la quête de l'autre côté du miroir. Et qu'est-ce que ça dit cette quête? Ah oui, c'est la quête d'Alice. Oui. Nordweller. Ouh, il y a une compétence à chercher ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit dessus? Et si je voulais l'accompagner dans son voyage, elle est excitée de voir le village puisqu'elle elle lui rappelle les romans d'amour suédois. Très bien. Ah, je suis parti sans! C'est pas grave, elle me rejoint quand même. Oui, elle me rejoint quand même. Très bien. Bon, avant de faire ça, on va quand même visiter un peu. Oh! Donne! Spécial. Rien de spécial. J'ai eu un truc à gauche. Ça en demande combien? Ça en demande deux. On n'en a qu'un seul. AZ. Pire, ça c'est pas grave. Voilà, ça je peux pas remonter pour l'instant. Ah, il y a rien à gauche. Ok, d'accord. Bon bah parlons à mamie hérisson. T'as d'ailleurs toi, t'as pas des trucs ultra beaucoup trop chers à acheter avant. La fin de l'automne, partition de chanson parfaite pour quand les feuilles tombent. Du porc, du poulet. Mmh, du poulet. Bah, donne du poulet du coup. J'avais besoin pour une quête. Poire pour le verger. Céleri pour le jardin. J'en ai pas ça. Oui, non mais. Chou, là, j'en prends un peu. Câble de métal. Il peut être suspendu entre deux poteaux.
Bon. Ah, Stella, merci de m'avoir amené ici. Ah, l'odeur de l'air frais de l'hiver. Et ses couleurs. Je me sens comme une jeune fille à nouveau. Ah, il faut y aller déjà. J'ai hâte de voir tous ces paysages. T'en sais tout ? Je vois monsieur. Je vois monsieur. Non, c'était un mouton, ça. Je vois monsieur. Non, mais... Ok, faut juste la suivre. Est-ce que c'est une ancienne cage d'escalier en bois ? Quelle merveilleuse construction ! J'aurais jamais cru en voir une de mes yeux. Tu te rappelles ? C'est en grimpant à une de celles-là qu'Ansgar... Ansgar, ok. Réussit à se sauver de la bande d'Harald. Une cage d'escalier très très glacée qui a coûté la vie à de nombreux jeunes casse-cou. Mais évidemment, Ansgar réussit à s'échapper avec les saphirs de la comtesse, avec facilité et grâce. Ah, et c'était tout un voleur. Ah, regarde-moi, je me pâme juste à y penser. Mais pour ce qui est de nous, je crois que nous devrions... que nous ne devrions que monter l'échelle. Oui. Attention aux plaques de glace. Oui, oui, oui. Oh, j'y pense. Sana, il a pas eu son câlin. Ah, et cette statue ici, avec ses buissons toujours blancs. Exactement comme je me l'imaginais. Comme c'est étrange. Ça ne te rappelle pas le sanctuaire où Ansgar offrit les saphirs à... Agneta. J'aurais volé une centaine de gemmes et combattu un millier de bandits pour ne voir... Pour de ne voir votre beauté qu'une seule seconde. Ah, comme c'est romantique. Et puis, elle confessa son amour. Et puis... bah, tu sais ce qui arrive, hein. Même si, dans ma tête, il ne faisait pas si froid dehors. Bon, Ansgar avait le sang très chaud. En tout cas, c'est comme ça qu'il me faisait sentir. Bonjour monsieur. On va s'arrêter là, j'imagine. Ah, même pas. Oh, cet endroit sombre et venteux. Juste comme l'échafaudage où Ansgar et Harald s'affrontaient en duel. Ah, je peux voir la scène si clairement. Le bruit de l'entrechoquement des épées, le jappement des chiens au loin et les coups de sifflet des policiers. Même la fumée rappelle la station de train au-dessous. Et puis, étincelant dans l'ombre, un petit couteau pointu comme une aiguille. Et au moment où Ansgar désarma habilement son adversaire, la déloyale Agneta surgit et poignarda Ansgar dans le dos. Évidemment, comment Ansgar pouvait-il savoir quel était le de... Le... Hein? Quel était le... La... Le... Hein? La demi-nièce, c'est pas le demi... Du cruel Harald. Ansgar ensanglanté et... Ituba. Aïe aïe aïe, la VF compliquée. Tituba vers le bord de l'échafaudage. Et comme il atteint le précipice, il regarde derrière lui. Et constate qu'il est entouré de ses adversaires. Comme il n'a nulle part où aller, ils savent que ce n'est qu'une question de temps. Avant qu'il ne puisse le livrer au duc Frédéric. Le frère jumeau d'Ansgar, dont il est éloigné depuis longtemps. Cet usurpateur du titre familial. Mais Ansgar, élégant jusqu'à son dernier souffle, lève doucement la main et en signe d'adieu et sourit et... Au moment où la fumée de la locomotive là-bas l'engouffre... Elle va pas glisser, mamie. Aïe. Quoi? Ah, c'est là, non, je vais bien, merci. Ça va, ça va. Je suis seulement un peu fatigué. Retournons à la maison, d'accord? C'est que... Allons. Bon, ça, j'imagine qu'on pourra en faire des trucs. Quoi, j'en sais rien. Allez. Bon, faut que j'attende qu'elle revienne, c'est ça. Allez. Ah non. Attends, je suis... Je suis fatigué. Pourrais-tu me dire que Vielfa m'a marché jusqu'à la destination? Je me suis... Non mais... Arrête! C'est un bouton! Par contre, Potisha... On laisse Potisha sur place. Je me suis... Petit dernier? Oh, je suis déçu.
Allez, retour à la maison. Requête complétée. Bon, avant de faire quoi que ce soit, tournesol. Tournesol. Allez, nage. Laisse-moi sortir. Céleri. Céleri. Chou. Très bien. Bon, du coup, ça veut dire que je vais me faire un autre verger avec des poires cette fois-ci. Oui, je sais, on pourrait faire qu'un seul arbre de chaque type, etc. Mais moi, j'aime bien en avoir deux comme ça. Je trouve ça sympa. Faut que je vois ce qu'il faudra pour faire un autre verger. Il faudrait juste des planches de chêne. Ça se fait, ça. Ok. Tac. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il faudra que je refasse des planches de chêne quand je pourrai avancer dans les crafts. Graine de cerisier, je vais pas la planter. Parce que j'ai déjà deux cerisiers, ça va aller. Voilà. Du coup, elle est où Choupette? Mamie? Ah, elle fait nuit. Bon, mamie dort, donc cela dit, elle est marquée qu'on terminait, donc du coup, on est plutôt bien à ce niveau-là. Techniquement, on n'a pas grand-chose d'autre à faire de ce côté-là. C'est quoi ça? Ah, mais je veux pas naviguer, je veux juste regarder la carte. Ça, c'est chiant, par contre. Tu ne peux pas regarder la carte s'il fait nuit. Je trouve ça très chiant. Parce que oui, tu ne peux pas naviguer de nuit. Pourquoi pas? Mais juste regarder la carte, ça aurait été cool, en fait. Aïe, aïe. Mais bon. Du coup. Alors, avant de réveiller tout le monde. Bon, là, on a un poisson particulier à choper. Là, on a grain de chou et grain de coton, câble de métal et du verre. Bah, go, allons-y. Au revoir. Tout le monde debout! On pose cette carte, tu n'as pas le droit. Non mais tellement. Je veux juste lire une carte avant de m'endormir. Laissez-moi tranquille. Ok, il y a Alice qui est réveillée. On va pouvoir aller voir la quête. Juste arroser ça vite fait. Là-haut, ouais. Tac, alors, mamie, on est où? Je voulais te parler, nous avons eu le plaisir de voyager ensemble et tout, mais je ne peux pas continuer à te suivre comme ça, c'est trop épuisant. Et en plus, ça ne convient pas à une vieille femme comme moi.
c'est que... Est-ce qu'on t'a déjà dit à quel point tu peux être étouffante? Oui, oh! S'il te plaît, laisse-moi un peu d'espace, d'accord? Lundberg, ok. Ah, la violence de mamie, quoi! Ah, tu sais quoi? Démerde-toi, voilà! Moi, je vais une fois par jour lui filer à bouffer et à faire un câlin. J'inquiète. Ouais, non. Plus de câlin pour mamie. Ah non, c'est fini. Puni de câlin. J'ai même grand-mère au taf. Ouais, tiens. L'autre là. What the f. Y'a rien ici. À moins que. J'attends quelqu'un, laisse-moi. Toi, t'as l'air d'avoir une ombre particulière, toi. Laisse pas deviner, t'attends l'autre qui est dedans, là, c'est ça? Bon, qu'est-ce que tu vends ici, toi? Grain de chou, grain de coton. Du verre et des câbles. Ouais, non, ça par contre. Juste prendre des graines, verre, je peux le faire moi-même. Ok. Ah. Y'a Papy Hippie. On peut lui acheter des chaussures, très bien. Des graines étranges. Vas-y, fais péter. Et les bouteilles vides, non. Par contre, au niveau des courses, est-ce que je peux lui filer des trucs? Ah, on pourra du coup lui filer les poires quand on les aura et ça me donnera des graines de pêche. Du coup, je pense qu'il faudra un autre verger. Semence sockeye, je pense que ça doit peut-être se choper dans la zone au nord dans la flotte. Tiens, donne ça. Donne ça. Et pour l'instant, je peux rien lui donner d'autre. Très bien. Si, je dois avoir peut-être des conneries à lui vendre d'ailleurs. Ouais, ça. Et t'es merveilleux, ça se prononce Vaz et non Vaz. Le magnifique spécimen de l'unique vrai anneau. Mais celui-ci ne gouverne rien, sauf peut-être ton portefeuille. Du coup... On va planter un truc ici. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai déjà été planté. Hein. C'est ici que j'ai une place. Tu vends pas les souliers. Non, parce qu'il n'y a pas marqué « devrait être vendu », donc dans le doute, je le garde. Là, les trois objets que j'ai vendus, il y avait marqué « peut-être, enfin, devrait être vendu ». Bon, du coup, ici, ok. Ah, on a des caisses, là, qui flottent. On va faire un arrêt ici. Allez, à plus, papy. Qu'est-ce que j'aime? Oui, je sais que je suis arrivé, mais je suis occupé avec mon poisson là. Ok. Un crabe des neiges. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui brille? Bien, je pense que c'est du charbon, non, calcaire. Hop, là on va récupérer des graines d'un peu tout et n'importe quoi. On va peut-être être là. Est-ce qu'on n'a pas d'autres graines, d'autres... Nouvelle requête, tenir le bas du pavé. C'est quoi cette quête?
Alice, déplace la maison d'Alice au niveau du pont. Pardon, peut-être des difficultés à se déplacer dans sa maison du pont, au pont du bateau. Je pourrais abaisser sa maison pour qu'elle y ait accès plus facilement. Ah oui, bah en même temps, c'est vrai que mamie, pour monter dans sa maison, doit prendre à peu près 18 escaliers, enfin 18 échelles. Ah, et Summer veut me parler. Bon, attends, Summer, deux secondes. Mamie! Prends ta maison. Oh, c'est chiant. Je peux pas la mettre là. On va la mettre comme ça, et puis celle-là, on va la mettre là. Voilà. On va approcher un petit peu. Madame. C'est relou. Hein. Summer, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peut-être déjà remarqué, mais Alice, eh bien, elle semble avoir de la difficulté à se déplacer. Oui, voilà. Je pense qu'elle ne peut plus utiliser les escaliers. Heureusement pour elle, sa maison se trouve à même le pont. J'imagine qu'elle sera assez seule, qu'elle serait assez seule perchée là-haut. Ouais. Ça câlin ? Ouais, ça petit câlin. Voilà, c'est bon. On va voir Alice le matin venu. Ah. On est le matin là techniquement. Oui, on est le matin, je crois. Je pense. Peut-être. C'est bon, tu fais plus la gueule ? Ah, c'est toi ? As-tu vu Eugène ? Il doit être dans le garage encore. Lorsque tu le verras, peux-tu lui demander de me rapporter ma vieille laine? Le temps se rafraîchit. Qu'est-ce que Alice veut dire par vieille laine? Une couverture, peut-être un morceau de tissu, je devrais le découvrir et lui donner. Tu veux un morceau de tissu? Une laine. Où sont mes morceaux de laine? Là. Tissu de laine peut-être? Une couverture pour moi? J'ai déjà eu une couverture de laine que j'aimais beaucoup. Je l'ai sûrement égarée. Merci, c'est très gentil de ta part. Bon bah c'était ça. Parfait. Allez, des bisous! Ça c'est fait. Bon, ensuite. Oui, non, si, oui, ça je m'étais arrêté pour voir les caisses. Donc on continue le trajet par ici. Oh, c'est un long trajet ça. Long trajet, bah tiens, on va faire un truc à bouffer d'ailleurs. On va s'occuper un petit peu pendant le trajet. J'oublie pas ton bureau, laisse-moi tranquille. Ah si, il voulait du poulet l'autre là. C'est vrai. Rochette. Porc, poulet et du gras. Alors du coup, poulet et du gras. Je veux bien, mais quoi? Pas des légumes, je pense. Ça peut être un peu de sucre, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que le jeu entend par du gras? Puis vu que j'ai acheté qu'un seul truc de poulet, j'avoue que j'ai pas envie de le gâcher en fait. On va du riz avec de la morue. Voilà. Cuisine-moi ça. C'est vrai parce que le temps que je réfléchisse à mon gras, on a fait les trois quarts du trajet. Je me dis de. Ouais, comme je dis, de l'huile, mais en soi, j'ai pas d'huile quoi. J'ai absolument aucune idée. Sincèrement, je n'ai aucune idée. Bon, le temps qu'on est là, on va en profiter. Ah, plus de charbon. Ah oui, non. Ouais, 10.
Armin Kallstein. Ah, un summer qui joue de la musique. Très bien. Du verre, ça nous servira. Ouais, mais du coup, je sais pas quoi faire pour le gras là. Qu'est-ce qu'on a à faire ici déjà? Aïe aïe. Seconde, tu peux pas être ici. Cette nuit est abandonnée depuis 40 ans, tu peux pas flâner ici. T'as pas l'autorisation de te balader, mais j'aime ton attitude. T'as du potentiel pour devenir agent de sécurité. Tu n'as besoin que d'un bon entraînement. C'est, je suis allé à l'école pour faire ce travail. Je crois que si tu suis un entraînement, je pourrais te confier un travail. Ce serait utile en fait. Je pourrais prendre une petite pause de temps en temps. Écoute-moi, sors d'ici et entraîne-toi pour ce travail. Fais un double saut, plane, glisse le long de la corde. Alors, double saut gelé, plane gelé, glisse gelé pas. Tu vas être capable de faire tout cela avant d'intégrer l'équipe. A bientôt, futur recrue. Mouais. Bon, bah, glisser sur la corde, j'ai pas. C'est bien, le jeu m'a spoilé le prochain pouvoir. Le jeu m'a auto-spoilé. Bon, alors c'est cuit, mais d'abord... machin d'aluminium ou pas ça? Dragon d'aluminium, parfait! Ah, la bouffe! La bouffe! Avant que ça... Oui, je pense que la glisse, ça doit être... curry de poisson. Très bien. Cette viande goûte n'importe quoi d'autre. Ou est-ce que ce n'est pas plutôt tout le reste qui goûte le poulet? Je crois que les devs avaient quelque chose contre le poulet. Hein, Bon, on va y être. Faire ça un petit peu. Avancera sur les poires. Ah! Arrêtez de tout faire trembler mon bateau! Déjà ça de gagner. Alors, Miss Summer. Il y a quelque chose à une odeur différente. On trouve pas? Comme je le pensais. Être le stellar. Thank you.
What? Ah non, tout simplement en fait. Solide! Ouais, c'est quoi ça? Il semble soulagé, n'est-ce pas? Je me demande ce que ça signifie. Si nous recroisons ce dragon, je crois qu'il faudrait l'aider. Peu importe comment je me sens par rapport à lui, mais pour le moment, j'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre mes esprits. Merci pour tout, Stella. Bon, on a récupéré de l'aluminium, et ça c'est bon. Il faut des lingots. Non, je veux... J'ai obligé de les faire que par 5, c'est chiant ça aussi. C'est chiant parce qu'il y a plein de petits défauts. Le jeu est très très cool, mais il y a plein de petits défauts qui sont vraiment chiants. Et comme le fait qu'on ne puisse faire les lingots que 5 par 5, quand le jeu t'en demande bien plus. Par exemple. Entre autres choses. Je sais qu'il y avait un truc qui demandait de l'aluminium pour l'amélioration, mais je sais plus ce que c'était. Alors ici, pas d'amélioration. Ici, pas d'amélioration. Ici, déjà fait. Ici, pas d'amélioration. Ici, déjà fait. Ici, fil de lin est flamboyante. Ah, ça! La boum! Un bureau! Ectoplasme en bouteille, on n'a pas. Ça, on peut pas. Ça. On est bon, ça. Des planches de chêne, il m'en faut 7. Et on pourra terminer les améliorations de Alice. Donc 7 planches de chêne. Plus 12, donc ça fait 19. Et 3 lingots d'aluminium. 3 lingots d'aluminium et 19 chaînes.
Là, on sera bon. Le chêne, c'est juste en dessous. Allez, on se rapporte. Pas comme ça. Pas comme ça non plus. Vraiment de la merde. J'aime vraiment pas ce mini-jeu. Un peu, enfin on a fait un surplus de planches de chêne, mais ça servira toujours. Alors non, pas modifier, améliorer, non pas construire, améliorer, j'y arrive. Tissu de coton, je peux pas encore le faire puisque j'ai les graines, mais je vais pas encore planter le, je les ai pas encore plantées. Tac. Entièrement meublé, Alice. Très bien. Il me faudra plus de fil de lin, donc du coup il me refaudra du lin. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'elle veut, Alice? Alors, avant de lui parler. Ah, d'ailleurs, en fait. Parce que je faisais mes planches et tout, du coup l'heure est passée. Les jambes ne me supportent plus. Pourrais-tu peut-être m'aider à me rendre à la proue? Oui. Ah, je suis occupé, sœur, j'arrive. Hein. Oui. Accompagne Ali jusqu'à sa maison le soir. Oh, sérieux? C'était là le dragon. Je le croyais finalement plus docile. Comme si nous avions finalement appris à coexister. Ou à s'arranger en tout cas. Mais en fait, il devient plus puissant, n'est-ce pas? Nous savons tous deux ce que cela signifie, alors. Il est temps pour moi de partir. S'il te plaît, quand tu pourras, amène-moi au seuil éternel. Ça va aller. Non, vas-y, Summer, elle est cool. J'aime bien Summer. Bon. On va faire un trajet. J'ai besoin d'un bus. C'est quoi, on va faire ça. Puis descendre au sud. Ça me permettra de récupérer des graines. Ne riez. Ne riez. Ne riez. Quoi, j'ai récupéré un chou, Starnak. Tac. Mes graines étranges déjà pour commencer. Plus la graine de chou. Et je vous abandonne ici. La bonne nuit à tous. Ça marche, Joker. Merci à toi d'être passé. La bonne fin de soirée, la bonne nuit, et au plaisir. Alors le coton, absolument. Et le thé. C'est bien le thé. Par contre, t'as du thé. Donne-moi la caisse. On vit ici. Graines de coton et de chou, c'est parfait ça. Impeccable.
Bon, maintenant qu'on est arrivé aux caisses, on va donc partir vers... Le bus qui est là, au pire. Après, ça, je me demande ce que c'est, ça. Ah, c'est du thon. D'accord. Pour l'instant, le thon, on n'a pas besoin, forcément, donc voilà. On va pas y aller immédiatement. D'accord. Non, je vais pas arroser ça, je vais arroser ça. Très bien. Récupérer des pommes. Faut que je reparle à Tulle pour voir si son bureau là il lui va. Parce que je l'ai fait son bureau, mais depuis il m'a pas reparlé. Peut-être qu'il a bouffé aux moutons d'ailleurs, je suis en train de me dire, parce que ses poils ils ont pas repoussé. T'as faim, mon pépère? Ah oui, il a faim. Tu sais quoi? Mange des cerises! Oublie pas Alice le soir. Ah oui, c'est chiant ça. Ah, ça va me gonfler. J'avais déjà oublié. Bon, en soi, c'est pas encore le soir. J'ai envie de dire, si elle reste le soir sur la proue, elle aura froid, elle va rentrer chez elle tout de suite. Hein. Et c'est là que je suis content de lui avoir mis la maison le plus près possible de la proue. T'imagines si on avait dû se taper toute la traversée du bateau? Oula, c'est nuit. Voilà, donc on a deux poiriers qui sont prêts. Il n'y aura plus qu'à attendre d'avoir des fruits. Il est où? Il est là. Allô Michel. Bon bah Summer. Allons-y. Allons-y, allons-y. Construction que j'ai pas fait là. Ah, il me manque des lingots d'aluminium. Ouais. Lingots d'aluminium et du marbre. En marbre, on n'a pas encore trouvé. Bon. Es-tu prête à partir? Merci. Par contre, Alice, elle passe en bas le steak, hein. Alice, elle reste là. Rien à carrer. Le temps que tout le monde se bouge, on va faire ça. Pour les deux lingots qui me manquent, on les aura d'avance. Il ne manquera plus qu'à trouver du marbre. Voilà. Bon, est-ce que tout le monde est arrivé? Sauf Alice. Ouais. Ah, Pépère a faim. Branche des pommes. Câlin. Enfin, câlin. Ah, il est au taquet là, il est bien. Toi, t'as faim? Oui, t'as faim. Mange une pomme. Ah, Ah oui, elle mange. Ah, ça va, câlin. C'est bon, toi t'es bien. T'apprécies pas le tapage d'Atu? Ouais, bon, bah c'est chiant. Hein. Allez, let's go.
J'ai vraiment cru que j'étais capable de lui tenir tête cette fois. Le dragon. J'étais certaine qu'il se calmait. Je pouvais l'entendre ronronner sa chaleur dans ma poitrine. Je suppose que je refais la même chose. Juste comme mon père. Le dragon est une bête. Indomptable, si je me rappelle correctement de ses mots. Soit tu choisis d'en prendre soin, soit tu l'abats. Qu'est-ce que Rose penserait de moi? Serait-elle fière? Aurait-elle honte? Je ne peux qu'imaginer ce qu'elle aurait fait à ma place. Mais je sais. Je sais ce qu'elle m'aurait dit. Elle m'aurait regardé droit dans les yeux, son regard perçant le voile qui me protège. Elle n'aurait pas dit un mot. Elle a toujours su. Elle savait que le dragon m'emporterait. Elle savait que j'ai essayé de l'aimer et non de le détester. Aurait-elle jugé devant cet échec? Je n'ai jamais pu l'aimer, cette bête, Stella. C'était impossible. Je déteste ça, mais ça fait partie de moi maintenant. Ça le sera pour toujours. Et si je veux quitter avec grâce, je dois l'accepter pour ce que c'est maintenant. Oui, Gwen a été notre première à nous quitter. En effet. J'avais hâte de te donner beaucoup d'autres conseils, d'autres leçons. Tu as été une élève très douée, Stella. Je suis si fier de toi. Si fier de ton cœur. Si fier de ton âme florissante. Je suis désolé de devoir te quitter. Tu devras apprendre par toi-même. Je ne doute pas que tu réussiras. La seule leçon que je puisse encore te donner est de te montrer... de te montrer de quoi tu es faite. D'une éphémère lueur stellaire. Nous ne sommes que les particules de pensée du vaste flux de conscience. C'est la dernière chose que je peux t'apprendre, Stella. Que toute chose change, que tout a une fin. Je suis si fier de toi, Stella. Et je sais que Rose le serait aussi. Merci pour tout. Bien, moi, Summer. Il faut que je ramène mamie. Attendez. Ah, tu veux peut-être manger, tu veux des cerises? T'as un câlin? L'air de la mer est si bon. Une fois, ma fille Annie et moi avons fait une petite escapade à la mer. C'était une si belle journée. Oh, il y avait une photographie de cette journée dans l'enveloppe que tu as trouvée l'autre jour. Je l'ai juste ici. Regarde son habit, toujours à la mode. Plus tard, ce jour-là, elle a perdu son chapeau dans un coup de vent, par contre. Quel dommage. Tu es prête à me ramener à la maison? Oui. Ah, tenue de plage d'Annie, nice. J'ai une nouvelle tenue. Et du coup, tenue d'Annie. Oh, elle est sympa comme ça. Tiens, ça changera, tiens. Ça changera un peu. Et nous voilà donc avec la fleur d'esprit. Bon, on va reprendre le bus. Hein. Merde!
Désolé. Fleur d'esprit, ah, il m'en faut deux pour la prochaine amélioration. Poudre de silice et lingot de zinc, ça je peux pas. Voilà cette personne. Jardinier. Ah, le jardinier! Glisse le long des corps. Ouais, ça je peux pas. Trouve l'emplacement du trésor perdu. Ouais. C'est vrai qu'il faut que je retourne à la maison de la villa de je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi l'icône de sac sur la carte? J'ai pas eu. Je me TP. Oh, bah non. Ah, ça? Si tu parles de ça, c'est le vieux papy qui nous vend des trucs. C'est trop noir pour naviguer. Oui, je sais qu'il fait noir pour naviguer. Oh là, c'est pas tranquille. C'est le vieux papy qui a des prix bien plus intéressants que n'importe quel autre marchand du jeu. Je sens qu'elle sera la prochaine. Probable, peut-être. Après, Atul est là depuis un petit moment aussi, donc il y a peut-être moyen que j'ai pas mal avancé dans ces quêtes et donc il y ait moyen de... On se fasse des petites cuisses de grenouille, quoi. Là, ça veut dire qu'on a passé la nuit à dormir avec un mec qui joue de la fanfare à côté. Du coup... La villa, elle est où, déjà? Non... Non... Ouais, celle-là. De finir sa maison avant qu'il parte. Oui, techniquement, je crois qu'il ne parte pas avant. Parce qu'il y a une quête qui demande de faire la maison de tel ou tel personnage. Ah. Ah, c'est Alice qui. Oh putain. Hmm. Oui. Ah oui, non, mais c'est parce que c'est la troisième fois qu'elle me le demande. Donc je sais qu'elle veut aller sur la pro. Donc retournez ici. Oui. Ah non, elle m'a rien dit. Non. Coton, nice. C'est pas du coton en plein. Plus de coton. D'ailleurs, as-tu le... Il est où? Ah, mais il est là. Allez. Je me sens pas très bien en ce moment, j'ai beaucoup de choses en tête. J'arrête pas de penser à mon ami Zazie. As-tu déjà rencontré? Nous organisions des rassemblements politiques quand nous étions plus jeunes. La seule photo que je traîne dans mon portefeuille, c'est d'aller moi. Je la traîne depuis plus de 40 ans. Ah, ta tante vive me tuerait si elle savait que je ne garde même pas une photo de nos enfants. Et elle adorait Zaz. Zazie ou Zaz, ça faut savoir, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Tout le monde l'aimait. Nous devrions peut-être accrocher cette photo chez moi. Je ne la déplierai pas complètement, mais au moins elle y serait au sec. Voilà, donc ça, nouvelle quête. Mettre une photo. Du coup, là on est ok. J'imagine que c'est l'amélioration qu'il y a là, c'est ça? Voilà, et il me faut des planches de frêne et de l'ectoplasme en bouteille. Que je n'ai pas pour l'instant. Parce que j'en ai jamais vu, tout simplement. Bon, du coup, le mec là dans la... au jardin. Le mec dans le jardin, qu'est-ce qu'il me veut maintenant? Est-ce que tu l'as ouvert ton cabanon là? Ça y est, j'ai élucidé l'affaire.
Cette porte est désormais ouverte. Je peux maintenant me reposer, sachant que je sais où me reposer. Ma fortune à la rue, toute cette histoire m'a secoué. Je voulais seulement être riche. Mais non, le destin s'en est mêlé. Et ma nouvelle vie est plus précieuse. Je vais cultiver cette terre. Je régnerai en maître sur ces légumes. Je suis le jardinier de ma propre vie. Eh bien. Mais Michel, t'as dit c'était ouvert? Ah oui, non, c'est bon. Amélioration du jardin. Elle demande quoi, l'amélioration du jardin? Tissu de lin, tissu de laine, tissu de nébuleuse. Putain. Ça va. Ah, je peux tisser du coton, ça y est. Enfin, filer du coton. Petite boulette de coton naturel, semblable à de délicieuse barre à papa, ne pas ingérer, à tisser plutôt. J'en ai pas réussi un seul. J'en ai marre. Et du fil de lin, enfin du tissu de lin, bah j'ai plus de lin donc en fait c'est chiant. Bon, on va tisser du coton pour voir. Ah, t'as pas intérêt à le rater. Avec ce fil de coton. On fait donc du tissu de coton. Et... je vais le voir, toi. Donne-moi... de la laine. Ok, bon, mes poires, là, ça donne quoi? Ah oui, bien. Nos premières poires. Au moins, en termes de ressources de bouffe, là, on est plutôt bien, hein, en termes de fruits. Par contre, si Abac capte pas les fruits, on est dans la merde. Oui, non, ça c'est fait. Alors... Marbre et compagnie, là... ah bah si, là. Ah oui, mais pour ça, il me faut le... pour ça, il me faut la glissade. Mais pour avoir la glissade, il faut que je ramène un mec de plus. Et pour ramener un mec de plus, là, il me faut... il faut que l'autre, il ouvre la porte. Mais pour ouvrir la porte, je sais pas comment on fait. Voilà mon problème actuel. Essayer de récupérer l'alu. Qui es-tu? Qui suis-je? Désolé, j'étais distraite. Je vais bien, ça va. Je suis certaine, t'arrêtes pas pour moi. Trouve une façon de sortir Alice de sa confusion. Alice ne semble plus me reconnaître. Je crois qu'elle a peur de quitter la proue du bateau avec moi. Comment puis-je la sortir de là? Annie, tu as... ah, désolé, je t'ai prise pour ma fille. Tu es bien exactement comme elle. Évidemment, le vent a emporté son chapeau. Quand je la trouverai, je pourrai lui dire que tu as trouvé le tien.
Je suis sûr qu'elle aimerait en trouver un autre. Ce sera certainement un plus joli que son chapeau rouge dépareillé. J'ai cherché le moyen d'avoir le gras, je te dis. Oui, tu peux, oui, si jamais. Je suis désolé, j'étais prise pour ma fille. Oui, ça, tu aimes la Jenny. J'avoue, je veux bien l'histoire du gras, là, ça m'intéresse. Il va vraiment falloir que je récupère du... Que je récupère des graines de lin en fait. Parce que là on est vraiment dans la merde à ce niveau là. J'en ai genre plus du tout. Et j'en ai pas retrouvé. Donc il va falloir que je rachète. De l'huile avec les graines de tournesol utilisées au concasseur. Ok. Ok, ok. Ok, il y a train. Ah, je peux pas rentrer? Ah, ok, non, d'accord. Quand tu sors avec, ici, t'es obligé d'aller voir le dragon. Ah, ok, d'accord. Donc, vu que elle est plus là, du coup, on lance en allant sur la porte. Ok. Waouh. Ah, oui, d'accord, ok. D'accord. Je me demandais ce que ça faisait ce truc là depuis tout à l'heure. Mais ok, ça fait ça. Très bien. Va-t'en! Je ressorte pas! Ok. Tu pars tout seul ou comment ça se passe? Oui, il part tout seul, ok. Bon, au moins ça m'aura permis de récupérer du de l'alu. D'ailleurs. Ah oui, le poulet frit. Donc objectif, essayer de trouver du marbre. Bah, il me semble que c'est ça qu'il faut. Hein. Là, il me faut du marbre et... Pulsar Fren Zinc, ouais. S'il vous plaît. Alors, où est-ce qu'on peut trouver du marbre? Bah, ici. Mais là, je peux pas y aller. Là, non. 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 Calcaire. Non. Non.
esprit. Je sais plus ce qu'il voulait, lui, là. Je sais plus. Lui, il voulait que j'aille retrouver Jacqueline, je sais plus trop où. Mais on a une... On a une carte, si jamais. C'était quoi déjà l'esprit? Je sais qu'on y est passé, mais je sais plus ce qu'il veut. Bon, on va pas pouvoir avancer très loin. Mais on a la deuxième arrivée. Au niveau des poires. Parfait. Ah, je vais m'empêcher de sortir. Et vu qu'il faut faire du... Voilà. Ouais, bah après je vais pas non plus trop regarder. Enfin, j'imagine que pour faire des planches de frein, il me faut du frein. Mais là, pour l'instant, je suis coincé à cause du marbre. Je suis coincé à cause du marbre, je peux pas avancer sans ça. Et j'avoue que là, c'est en fait, c'est au niveau des esprits, je comprends pas en fait. Ben, c'est pas que je comprends pas, c'est que j'ai dû rater un truc et du coup, je tourne en rond comme un débile. Ça arrive souvent. Et je sais que le marbre c'est dans la mine à laquelle je ne peux pas accéder sans la glissade. Sauf que le truc c'est que pour avoir la glissade il me faut un esprit de plus. Mais pour avoir un esprit de plus, bah c'est soit l'esprit qui me dit ouais va trouver Jean-Michel qui est à côté, j'attends quelqu'un, tout ça. Mais la porte est fermée. Soit le phare. Et là... ce que l'esprit veut. Donc c'est ça, c'est pour ça que je retourne voir le phare. Oh, on a eu un marbre dans une caisse. Wouhou ! Plus que 7. Après ce poisson, j'ai regardé un truc. -150, 150, c'est où ça déjà? Voilà. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'on va pouvoir se débloquer. C'est quoi? Parce que j'étais presque arrivé au bus.
Bon, il se fait un peu vite là ce bateau de roue là. Hein. Et elle me veut d'ailleurs un chapeau rouge, Jacqueline. J'ai une surprise. C'est quoi? Attends, j'ai trouvé quelques baies. Je... Voilà. Donne. Deux fraises. À ce point. Du coup, est-ce que si je me mets un chapeau rouge, Jacqueline est contente ou pas? Vite, voilà, j'ai eu peur, j'ai cru que tu étais parti. Je suis fatigué. Nous sommes sur le chemin de la maison, n'est-ce pas? Dis-moi quand nous y serons. Ah, tu as besoin d'aide? Non. Ah, le chapeau perdu. Ah! Amène Alice au seuil éternel et parle-lui en portant l'habit d'Alice, celui au chapeau rouge. L'habit d'Alice, celui au chapeau rouge? Hein? L'habit d'Alice, il est pas rouge? Ah oui, non, l'autre c'était le truc d'Annie. Oui, non. HB père Alice, Annie, bon, au bout d'un moment. Ok, donc là on est bon, bah il n'y a plus qu'à attendre d'arriver. Hein. Mais du coup, seuil éternel, ça veut dire des bisous aux Alice, quoi. On est d'accord? Ah oui, c'est rouge, donc ouais. 5 vues sur le mont Furugawa, qu'est-ce que c'est? Ah, trouve la gravure du surbois perdu auprès de la collectionneuse. Bon. Ah, et du coup, je vais pouvoir faire l'amélioration du bateau. Enfin, j'aurai le nombre de fleurs d'esprit nécessaire. Oula, le musée de Suzanne. Comment je monte là, à l'échelle, moi, là? Ah, mon dieu, j'ai peint daffodile. Ah, si on peut. Super, c'est fantastique, la Spirit Pharaoh est ici, sur ce foutu rocher abandonné, en plein milieu de l'océan. Elle est venue jusqu'ici, elle a affronté la surface froide et abrupte des falaises et l'échelle brisée. Et elle a vu tout ça et s'est dit, oui, comme c'est invitant, je suis la bienvenue ici. Eh bien, tu m'as trouvé, je n'ai plus à me cacher. Laisse-moi te jouer cette vieille cassette. Oh, toi, Spirit Pharaoh, passeuse d'âme dont j'ignore. Et je ne veux pas savoir le nom, je suis la collectionneuse. Les dieux du haut de leur arrogance matérialiste m'ont joué un tour cruel. Tu vois, je suis la collectionneuse non pas par choix, mais par devoir. En pillant sans cesse les merveilles finies de ce monde, tu dois avoir... Oh, oui, oui. Sympa ce jeu, mine de rien. Ah, il est très cool. Pour le coup, moi, j'aime bien. Disons que t'as plein d'occasions de potentiel versage de larmes, hein, donc bon... Tu dois avoir une collection de merde à en faire rougir les dépotoirs les plus mirobolants de l'histoire. Ah, ok, très bien. Oui, alors la VF, elle se lâche, hein, je vous dis, voilà. On se rappellera de Alexander, ce nom de merde pour les merdes. Hein. la tâche est de te récompenser pour ce comportement inconscient en te donnant, eh bien, plus de merde. Voilà, quelle ironie, n'est-ce pas? Mes prédécesseurs avaient l'habitude de demander les paquets accumulés en guise de paiement. Pour en faire quoi? Aucune idée. Mais il n'y a rien d'écrit à ce propos dans ma description de tâche, et je me fous complètement de tes ordures. Alors au bon moment, montre-moi l'assortiment monstrueux que tu as rassemblé, prends ton inutile récompense et pars. Rapidement. Et ramasse derrière toi. T'es pas chiante du tout en fait, hein, c'est ça? Et du coup... D'accord. Ah, déjà, j'en ai ramassé 4 sur 5.
Ne fais pas comme la régie. Quoi, qu'est-ce qu'elle a fait, la régie? Je sais pas. C'est Ronstar qui a dit ne fais pas comme la régie. Quelle joie. Bon, tu as une longue journée devant toi. Écoute, je te retiens pas plus, j'ai une heure. Tu as deux boulots à faire, trouver des gemmes et des esprits. Et en passant, qui a pensé à donner un nom aussi ridicule que Spiritfarer? Ça donne terriblement mal et ça ne siffle pas dans la bouche comme mon nom. Suzanne. Suzanne. Ah, Suzanne la collectionneuse. Oui, bon, bah, dégage, tu me saoules. Et donne-moi ça. Bon, voyons, qu'est-ce que tu as là? Une sorte de... Pourquoi? Bon, non, tout ce qui est magnifique et sacré, traînes-tu cette horrible chose avec toi? Ça ne fait non seulement mal aux yeux, mais heurte l'essence même de mon esprit. Mais attends, je crois reconnaître quelque chose. Oh, oh non. J'aurais dû m'en douter depuis le début. C'est cet homme, n'est-ce pas, qui t'envoie? Cet être matérialiste et superficiel, cet intellectuel de pacotille. Il t'envoie ici, n'est-ce pas? Quel rat corrompu et perfide. Il est fâché d'avoir perdu sa précieuse petite gravure sur bois, hein? Eh bien, je peux t'assurer qu'il ne la reverra jamais. Il apprendra peut-être une chose ou deux à propos de l'ascétisme. Pour ta récompense, pour ta grotesque petite collection, ta récompense sera... Voyons voir. Non, ça ne se peut pas. Non, le destin ne peut pas être si cruel. Bon, d'accord, prends-la. Prends-la, ta foutue gravure. Prends ce que tu veux et dégage. Eh, tu me saoules, Jacqueline, je te le dis. Eh, donne-moi mon matos, voilà, comme c'est excitant, t'as commencé à collectionner de nouveaux types d'ordures. De toute façon, ce sont des poissons, ils sentent mauvais, ils sont horriblement laids, mais tu ne peux pas t'empêcher de les attraper tous, hein. Heureusement pour moi, tu seras probablement pas capable de compléter la collection. Ils sont de glissants petits salopards. Ouais, ouais, voilà, quand je parlais de le langage, ils se font plaisir. Donc là, j'ai ça. À mi-chemin, découvreuse de roches brillantes, tu dois vraiment aimer leur apparence. Tu es amusé par des choses si mortelles, ça se voit. Bon, je te retiens pas, va. Bien, bien sûr, très bien. Eh, mais elle est relou, elle, hein. Elle va bouffer, hein. La régie était repartie sans demander les récompenses. Elle dit, ah, ça. Tu as pillé presque toutes les gemmes des alentours, comme ce monde a de la chance. Oh, grande destructrice, montre-nous le chemin. Ah, génial. Bon, tu n'écoutes évidemment même pas, prends ça et pars. Oui, t'inquiète pas, je vais juste voir si j'ai tout récupéré. Oh, une amélioration du concasseur. J'ai pas. J'ai même pas le truc de base, donc laisse-moi tranquille. Allez, oublie-moi. Ah, il faut que je repeigne le chat d'ailleurs. J'ai pas le chat en noir et je voulais pas. Bon, d'ailleurs, avant de faire ça, le plus pratique ce serait... de refaire le trajet. Oh, y'a un bus! Oh, y'a un... c'est un phare? Ok, North Sea. On va y aller. C'est à côté, on va y aller. J'irai voir le mec après. T'as bien demandé les récompenses pour chaque tiers. Je pense... oui, j'allais dire je pense, mais oui. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Oui, le chat, voilà. Repeigne mon chat. Rendez-moi mon chat. Voilà. Très bien. Ah, faut peut-être que je ramène mamie dedans. Mamie? Ah, mamie a faim. Mange une poire. A faim, câlin. Non? Ah, pas câlin. Ouais, elle m'a pu apporter plein de trucs, pudding au riz, pain. Bon, il fait pas encore nuit, donc mamie veut pas rentrer. Tiens, toi. Je suis affamé, fais quelque chose. Oui, 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 on va se calmer, hein. Tiens, mange une pomme. Ah, mange des cerises. Voilà. Et fais un câlin. C'est à ordre. Comme t'avais pas mal de pierres précieuses. Ouais, ouais, c'est pour ça que je l'ai rallumé plusieurs fois. Enfin, je l'ai reparlé plusieurs fois. Oula, il y a une grande tyrolienne là.
Oh, ça veut dire qu'il va falloir revenir quand on aura la glissade. Ah, rentrez mamie. Mamie, t'es où? Et là. Ah, je peux pas lui parler. Mamie? Bon bah écoute mamie, débrouille-toi. Je peux pas lui parler. Tant pis pour elle. Bon. Fermé. Ah madame, tu as ce visage? Larry Salzberg connaît les visages, et le tien pour être sur une affiche, sur un panneau d'affichage. Tu ne parles pas, mais je peux imaginer ta voix, et je la déteste. Oui, oh. Mais on peut arranger ça, on peut arranger ça en post-prod. On va demander à une de ses filles de faire le doublage et tout. Tu seras parfaite. Quoi? Tu n'es pas une actrice? Tu fais pas de vaudeville? Tu n'es jamais traîné dans Ziegfeld? Avec Ziegfeld? Ziegfeld, Ziegfeld, il n'y a rien de ces danseuses françaises déguisées en bergère ou un truc comme ça. C'est impossible, tu aurais été parfaite. Mais si c'est vrai, tu as un talent pas encore découvert. Il faut que tu sois dans mon prochain film. Il le faut. Je n'ai pas de script ou de réalisateur, mais ça ne fait rien. Ça s'appellera quelque chose comme... Les vues de la perfection. Un thriller. Du meurtre. Du suspense. Quelque chose pour se réchauffer les sangs. Quelque chose pour que la ville parle. Qu'elle parle de ma nouvelle star. Ce sera un succès du box-office, t'imagines? Ouais, carrément. Je savais que je pouvais trouver seul... Je savais que je pouvais trouver seulement en arpentant les rues. Tu seras une star en un rien de temps, ou alors mon nom n'est pas Larry Salzberg. Maintenant, il faut trouver une co-star. Ma directrice de casting est en lune de miel avec son nouveau prétendant, dans un endroit chaud, on s'en fout. Ce qui importe, c'est ce film sur lequel je réfléchis depuis 5 minutes. Je dois engager des stars. Vive les stars! Cette ville est plus sèche que mes pantalons sur une corde à linge en plein été. Laisse-moi voir. John fait ce film sur la relation mère-fille. Vivien, c'est hors de question. Judy est dans un endroit magique. Ah, il faut trouver quelqu'un avec du bon sens et quelqu'un qui a du sérieux. Il y a ce vétéran, Catherine, qui pourrait faire l'affaire. Il paraît qu'elle passe du temps en nature dernièrement. Quelque part sous la canopée obscure, je crois. Attends un peu, j'ai une autre idée. Nous pourrions aussi aller du côté plus sobre et naïf. Quelqu'un comme Ingrid. Elle pourrait aussi rendre justice à notre nouveau film. Elle vient tout juste d'acheter une maison dans le Old Central District. Tu pourrais aller la rencontrer. Ah, tant de possibilités. Distribuer les rôles, quelle course. D'accord, je laisse ça entre tes mains. Trouve-nous le match parfait. Quelqu'un qui transpercera l'écran d'après toi. D'accord. Ok. Tout est fermé ici, mille dieux. Allez, petit Charles, dépêche, sinon je pars sans toi. Oui, il fait trop noir, je sais. Et donc, Il est absurde, je ferais mieux d'aider ce pauvre homme, j'imagine. C'est probablement cogné la tête ou un truc du genre, il voit des étoiles partout. Tu sais qu'il y a ça qu'on peut faire, et ça qu'on peut continuer aussi. Donc, dodo, et ramener la... La statue. Non, la gravure. Enfin, le truc. Puis, amener mamie, qui du coup... Ah oui, elle dort dehors, hein, elle est dehors. Écoutez, moi, elle veut pas rentrer, elle veut pas rentrer, hein, qu'est-ce que j'y peux. Demain matin, on va avoir un hérisson congelé sur le pont. Bon. C'est là. Mais on va faire ça
avec le bus. Alors, quelle connerie on va ramasser? Tout plein de trucs. Bouteille, tapis, coquille vide, anneau précieux, bouteille, coquille vide. Fruits, oui. Notre fanfare est arrivé. Alors, voyager ici. Pour en faire de la compote avec toutes ces pommes. Ah, ça c'est clair. Mais au moins, s'il y en a qui me demandent à bouffer, j'ai largement de quoi faire entre les pommes, les cerises et les poires. On est bien. Plus le mouton. J'ai vu qu'un PNJ ne peut pas manger deux fois la même chose d'affilée. Au moins, on est bien. T'as faim peut-être? Ouais, t'as faim. 109 cerises, c'est plutôt bien. On est plutôt bien. Bon, on arrive. On arrive. Bon, du coup, allez retrouver l'autre Gus qui voulait sa gravure. Alors lequel c'était? Non, pas vous. Là, y a rien. Lui. Tu es de retour, n'est-ce pas? Et regarde ça, tu as le morceau. Ah, c'était là, c'est très bien. Tu as réussi à te battre pour enlever la gravure des mains glacées de cette chippie. Quelle ingéniosité, quel cran! Oui, tu as prouvé être un atout immense pour mon entreprise. Ou dois-je dire, pour nos entreprises. Bon, alors c'est décidé, il ne reste plus rien pour moi sur cette île. Je rejoindrai donc votre petite expédition. En tant que passager, pas en tant que membre de l'équipage. Hein. Oui, ce bateau sera peut-être la parfaite galerie. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Allons-y! Bon, ça c'est fait. Donc, oh, je vais y aller. Pour l'instant, pas grand chose. Oui. Bon, toi. Ah, d'accord, je sais que je peux le faire. Ça va peut-être picoter un peu, mais... Et puis, si ça fait mal. Ah, et tu es là. Bon. Je me laisserai pas... Tu ne me laisseras pas avoir mal, n'est-ce pas? Ok, je ne te fais pas entièrement confiance, mais j'ai pas d'autre choix. On dirait un aigle? Ah non. Oh, il a l'air stylé. Hein? Je l'ai fait, je me suis même pas évanoui. Je me sens en fait assez bien. Qui aurait cru? Bon, alors commençons, quoi? Ah bah bien sûr, excuse mon enthousiasme. J'ai oublié de me présenter, comme je suis distrait et impoli. Je suis Gustave. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à arrêter de penser qu'on a déjà fait connaissance. Ah, peu importe, je suis heureux que nos chemins se croisent sur cette île.
Et je sais qu'ensemble, on accomplira de grandes choses. Cette partie du monde est merveilleuse et dégoûtante, tout comme les lards. Ah vraiment, Stella, les dieux nous ont dotés d'une grande inspiration. Il est en notre solennel devoir d'élever nos esprits avec beauté et émerveillement. Ma détermination est grande, Stella. Je vais monter la meilleure exposition de ma vie. Et tu vas m'aider. Oh, comme ce sera grandiose. Ah mais premièrement, le paiement. On m'a appelé par tous les noms, mais Avar n'en a jamais fait partie. Et on obtient donc une vol. Ah mais le mec, il est trop stylé. Bon, j'imagine qu'il va falloir lui faire une maison. Par contre, j'ai pas de plan aussi. Et non, j'ai pas de plan. Hein ? Ah oui, bah, je me doute. Je pencherai plus pour un faucon. Ouais, en tout cas, c'est un oiseau, quoi. Il est grand, il vole et il est stylé. Bon, on va s'occuper d'Alice. Bonne boisson et l'eau. Ah non, dis merci. Bon, qu'est-ce que tu veux? Avant de commencer à travailler et à proprement parler sur l'exposition, un peu de préparation est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que nous avons accès aux bonnes installations. Maintenant, si tu me permets, le bateau doit être équipé d'une sorte d'usine pour travailler le bois, comme une scierie. Ça, c'est fait. Ça aurait plusieurs usages. Mais, comme c'est commode, un métier à tisser nous aiderait, bon, ça c'est fait. Un til, fantastique. Une fonderie, ça c'est fait. Une fonderie, tu as ça, une fonderie? Oui. Comme ton bateau est bien équipé, Stella. Et finalement, la pierre angulaire de travail de tout conservateur, une boîte aux lettres. C'est fait. La correspondance avec mes collègues chercheurs et collectionneurs est essentielle à mon travail ici. Tu as déjà construit une boîte aux lettres? Oui. Il semble qu'il reste encore quelques éléments sur ta liste. Je te laisse faire ça. Quoi? Ah non, compléter, oui, ok, c'est bon. Bon. Pour l'instant, c'est plus summer que... Ah oui, elle est tout à fond, elle. Oui, à chaque fois, j'ai tous montés à fond. Bah ça oui. Bah, ça. Ouais. C'est peut-être un peu pour ça aussi. Tu as la bonne tenue pour aller. Et bah je pense oui, j'en ai pas changé, donc en théorie oui. Bon. Mamie. Il y a du sable ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Oui. Là par contre, on te met bien tout le temps de traverser ton bateau. Eh franchement, Astrid t'aurais pu l'apporter. Ah c'est con mais c'est pas mal, quand elle monte les escaliers du coup elle va moins vite. Et au fait Michel. Oh ce câlin.
Allez. J'avais pas encore fait de câlin à l'oiseau. Ah, Rotstar qui fait oh non. Quel paysage merveilleux. Tu trouvais cet endroit toi-même, Annie? Tu explorais les environs tout à l'heure, n'est-ce pas? Quelle aventurière, je suis si fier de toi. Ces arbres sont exquis. Eugène sera fâché d'avoir manqué ça. Il pourra peut-être prendre quelques jours de congé l'été prochain. Mais revenons ici. Je pourrais rester ici à tout jamais. Il y a quand même deux personnes qui partent ce soir, ouais. Potentiellement trois. Tu n'as pas parlé de l'école récemment. Est-ce que tout se passe bien? Et tes notes sont-elles... Ah, évidemment que tu es diplômé depuis longtemps. Désolé, je ne sais pas pourquoi je suis si confuse. C'est encore pire quand il n'y a pas de dialogue. Mais tu n'es pas Annie, hein? Mais oui, voyons. Je pense que je perds un peu la mémoire dernièrement. Que Jeanne va... Lorsque tu verras ton père, parle-lui des arbres, vois-tu? Je suis certaine qu'il sera excité de se joindre à nous l'année prochaine. Ah oui, dans ce sens-là, ok. Bon, par contre, c'est pas que, mais quand même. Voilà. Est-ce que je pourrais pas... Ouais, carrément. Hein? Toi aussi? Thank you.
Vu qu'ils sont plus là, tu peux pas retirer les maisons pour faire de la place. Je sais pas. Bah après en soi, je peux aller en pas mal en hauteur là, donc si j'ai vraiment besoin de place, je peux toujours mettre des étages. Ah. Quête de Michel le volant. Maintenant que notre travail préparatoire est effectué, je crois qu'il est temps de commencer à travailler sur les infrastructures appropriées. Idéalement, un projet de cette envergure doit nécessiter l'agile de la collection. Mais il a aussi besoin d'un bureau de travail ou un conservateur pour travailler confortablement. Ainsi que d'une salle d'attente, un bureau d'accueil, du rangement, et peut-être une boutique à souvenirs. Mais on devra peut-être faire ça. Quoi, un peu trop? Au contraire, Stella, je t'assure que tout ça est nécessaire. Heureusement, en tant qu'homme rationnel, je sais que l'espace sera peut-être un enjeu. C'est pourquoi j'ai pensé à un espace multifonctionnel idéal qui pourra faire des merveilles. Faisons ça alors. Prends un crayon et écoute bien. Une galerie est un espace paradoxal, puisqu'elle est à la fois la maison de l'art et une œuvre d'art en elle-même. L'architecture est, après tout, la première expression de la maîtrise de la nature par l'homme. Ainsi de blablabla. Et c'est une... Stella fait la gueule. Alors, t'as tout écrit. Je pourrais revenir sur certains points plus précis de la leçon encore. As-tu besoin que je répète? Non, non, c'est bon. Si tu insistes, je te laisse travailler. Oui, on va travailler. Oui. Bon. As-tu remarqué l'heure après? Ah ouais, Michel, il m'a bouffé la moitié de ma journée. Oh, j'avoue. Du coup, il fallait que je ramène... Non, pas lui. Il fallait que je me ramène où déjà? Pas là. Pas là. Pas là. Pas là, c'était où? C'était où? C'était là? Ouais, sanctuaire, c'est là. Allez, on va faire au moins le trajet. Ensuite, je m'occupe de ce dont je peux m'occuper. Je sais plus parler. Ici. Du coup, construire fil de coton et marbre. Me parlez plus de marbre, hein, ça va chier. Voilà, je pense que j'en ai assez. On va récupérer du coton. Mais il va vraiment falloir que je récupère des graines de lin par contre. Hein, parce que c'est vraiment... On va être dans la merde. Vraiment, c'est chiant. Hasard, même si toi tu coûtes cher. Non. J'ai rien qui m'intéresse. Oh toi! C'était où? Oui, c'était là-haut. C'est vrai. Deck. Qui se fait soulever par le collier.
une épaule à la roue. Venir, hop, glisser le long des cornes, d'accord. Mais ah, on peut remonter, nice. Intéressant. Oh, j'aimerais bien réussir à le choper ce truc là. Oh genre. Complètement raté, je vais essayer une dernière fois. Sinon j'imagine qu'on pourra peut-être revenir plus tard, j'en sais rien. Mais ok, voilà. Diamant améthyste, ok. Très bien. Et puis là, parce que celui-là, je l'ai pas oublié, celui-là. La graine de pomme, et j'apprends la tarte aux pommes. Et voilà, parfait, un plat de pommes. Pour faire des tartes aux pommes. Allez go. Bon bah maintenant ça on va pouvoir se balader sur les cordes et ça c'est pas plus mal. Hop, attendez. Une lettre d'Albert. Évidemment c'était pas la gemme qui t'a manqué pour compléter la collection, c'est très probable. Mais est-ce que j'ai envie de retourner voir Jacqueline tout de suite? Pas sûr. Oui la lettre. Non pas ça, ça. Non, pas ça, ça. Concours spécial fantastique. La tyrolienne. Pour un temps limité, nous avons une promotion spéciale. Tu trouveras 6 jours un plan spécial. Ça fait partie de notre série fantastique. Une tyrolienne glisse dans les airs comme un oiseau majestueux. Albert, ton constructeur naval local. Très bien. Briquet. Elle était à l'intérieur de la boîte à musique de Gwen. D'accord. C'était quoi au fait l'amélioration de... Non, ça c'était... Voilà ça. Du marbre, très bien. C'est pas chiant du tout, hein. J'allais dire le temps du trajet, mais en fait on est arrivé. Mais oui, le diamant, c'est très probablement ce qui me manquait, donc au pire, c'est quand je repasserai pas loin, je m'arrêterai pour voir. Tu vends pas du lin, toi? Non. Oui. Amélioration du poulailler, ça tombe bien, on a pas de poule. Bon bah, tant pis. T'entends toujours quelqu'un? Oui. Ça c'est toujours fermé. Écoutez hein. Très bien. La grotte c'était où? C'était pas là, mais ça on n'y est pas allé. C'était... Non, c'était pas ici. C'était ici. Donc oui, je pense clairement que c'était c'est la dernière truc puisque la dernière gemme qui me manque puisque il y a une point d'exclamation sur le sur là où est la relou. Thank you.
gros le chou quand même. Ah oui, ça c'est pas des... Ah, voilà. Des légumes de compète. Attention. Ouah, une deuxième marbre. Ah non, c'est du quartz. Ouais. Céleri, tournesol. Oh, c'est quoi? Ah, du calcaire. Ça, ça va être du fer. Oh, minerai d'aluminium. Très bien. Tac, direction là-bas. Là, il fait trop noir. Bonne nuit. Ah non, ok, t'es... Ah non, si, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Le jeu qui me met, après que j'ai, après que je sois parti, la notif de « il y a une caisse à fouiller ». Mais non, c'est la caisse qu'on a fouillée en arrivant. J'ai eu peur. Et GG Daiko pour level 73. Comment ça, bah... Y'a pas de Bakitiad ? Mais d'accord, c'est la bonne, c'est la caisse que j'ai vue. Oui, je pense que c'était celle-là. Bon, ça ok, mes pommes. Mes cerises. Et c'est vrai que quand on retournera voir, enfin quand on recroisera le vieux vendeur, le vieux papy, je pourrai lui filer des fruits et il me filera des graines de pêche. Et il faudra que je fasse un autre verger. Parce que oui, je veux un arbre de chaque. Ça coûte cher, je suis d'accord. Mais je veux un arbre de chaque. Bon, en soi, j'ai que à attendre que ça arrive. Oh, quoi? Oh. Ces visions de mes repas passés. Ça ne peut pas être bon signe. Ah oui, c'est sa fin. Tu manges des cerises? Merci, Captain. Ce repas est nourrissant. Très bien. Ma faim, Kala. Teste pas un moment de douceur de temps en temps. Ouais, il est pas... Il est pas ultra hypé, mais putain, il fera avec. Hein. La recette de la tarte aux pommes, tiens, c'est quoi? Pommes et farine. Bon, farine, je peux pas la faire pour l'instant. Mais genre, si on met du chou avec de la seule. J'ai pas sonné la cloche. J'ai pas sonné la cloche. Graine de... Comment ça? Je l'ai taillé trop tôt? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'était ça, c'est vrai. Je peux pas y aller. Bon, là, il y a un coffre à récupérer. Enfin, un coffre. Un pilier. Je peux évidemment pas atteindre le câble d'ici. Chaque jour, il saute dans l'eau en criant, il dit toujours qu'est-ce que c'est donc ? Je suis le grand homme poisson ou quelque chose du genre. Il fait tellement de bruit, c'est pas seulement son cri, c'est le grabuge dans l'eau, le pauvre ne semble pas savoir nager. Je devrais fermer ma fenêtre de ma chambre, ou peut-être pas. Je suis venu ici pour la brise de l'océan et ça vient avec les baigneurs matinaux. Un buste antique, très bien.
J'imagine que je vais devoir le donner à l'autre là. À la relou. Pourquoi ça fait de la lumière chelou là? Si tu joues de la musique dessus, tu fais quoi? Tu t'en fous. Se calme. Le homard germinal et une graine de laitue. Ouais. C'est bon. Le plat. On va qu'on foute le faux bateau. Ça pourrait être le homard germinal. Oh putain. Mais de bouillabaisse! Oh, c'est pas de bouillabaisse! D'accord, donc c'est juste du homard en fait. Du coup, ça c'est fait. On est d'accord qu'on est bien? Ah non? Ressources trouvées? Toujours pas? Bon, c'est peut-être le truc auquel j'ai pas accès. La lumière, tout ça, tout ça. Vive la lumière, manger la lumière. Toi, faut que je te fasse du poulet. Toi, tu veux quoi? Ah, tu veux... Mange une pomme. C'est quand même un lynx qui mange des pommes. Hein. Ah, je peux pas te parler? Tu veux pas parler? Oui, je sais, tu lui fais du bruit, mais bon, au bout d'un moment, laisse-moi tranquille. Hein. Je trouve quelque chose que tu pourrais peut-être aimer. C'est un cadeau de ma collection, j'espère que tu apprécies la valeur de la curiosité pareil. Un vase luxueux. Non, ouais, ça fait du pognon, ça. On va mettre un crabe avec du maïs. Fais des tests, hein. Je sais pas ce que j'ai déjà essayé, ce que j'ai pas essayé, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Bon, la relou. C'est une amélioration de plan. Bien joué, nous ne sommes à peine que de simples mortels en ta compagnie. Et dis-nous, ô grand spirit phare, que puis-je possiblement te donner pour satisfaire ton immense appétit? Bon, ça conclut la saga passionnante qui s'attache à savoir le nombre de gemmes que tu peux m'apporter. N'oublie pas de ne pas m'écrire. Arrogante, je sais tout. Amélioration du concasseur. Ah ouais, c'est bien parce que j'ai plein d'améliorations de plein de trucs que je n'ai pas. Allez, ça c'est fait. Oh, y'a papy! Alors, collection, enfin les courses. Deux graines de pêche, fil de lin et fil de laine. J'en ai plus. Saucisse frite sur bâtonnet. Soupe aux nouilles. Ah, laitue et poireau, tiens, on prend. Et on a le succès, l'armée des 12 singes. D'accord. Graine de tournesol, ok. Quartz et tissu de nébuleuse, vas-y, fais péter. La gelée scintillante et les grains en bouteille, d'accord, j'ai plus de gelée, ouais. Et flamboyante, on n'a pas encore trouvé ça d'ailleurs. Doit être vendu. Devrait être vendu. Vendu.
vendu. On est monté à 23 000, ce qui est pas mal. De linge, j'en ai plus un seul. C'est voilà, c'est la pauvreté. T'en vendrais pas par hasard? Ah non, t'en vends pas. Ah, mon plat. Ah, la bouillie du sud. Oh, c'est de la bouillie du sud. Les bols. Bon, c'est pas tout ça, mais ici maintenant. Ah tiens, pour faire un autre verger, il faudrait quoi? Ouais, 32 planches, ça commence à coûter cher. 32 planches de chêne et 16 fils de nébuleuse. J'ai plus de quoi faire de la du fil de nébuleuse. Ouais, alors l'aluminium là, je vais pas le refaire pour l'instant. Pour l'instant, je crois que j'en ai pas trop mal. J'en ai combien? +22, +5, ouais, pour l'instant ça devrait aller. On va pas le faire. Ça c'est ok. Maintenant ça, on va arroser tant qu'on y est. Et du coup, les graines de tournesol, on peut pas les faire. Pour l'instant, rien en faire. Allez, fais-moi du charbon. Ce sera toujours utile. Allez, on est presque arrivé. N'empêche, pratique d'avoir des pentes dans son bateau. On peut se faire des jumps. Ça va? Oui. Bon. La mine. Où on va enfin pouvoir choper du marbre. Normalement. Toi, tu es ici sécurisant la mine. Très bien. Bah. Ah. T'es prêt, t'es bien équipé pour le travail. Bon travail, recrue. Je suis heureux de t'accueillir dans l'équipe. Et voilà. Amuse-toi là-dedans, hein, peut-être. Ça semble étrange à dire. Tu es dans une mine abandonnée après tout. Sois prudente. Et aussi, respecte toujours ton travail. Alors. Non. Ici. Huit de marbre. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je ramasse du minerai, d'accord. Eh ben, ramasse donc, hein. J'imagine qu'on doit pouvoir faire une jump pour partir directement à droite.
Oh. Câble métal hématite. Allez, on va forcément monter. Je vais voir si on pouvait pas bouger à cet étage-là, mais apparemment non. Là non plus. Ah! Ah oui, d'accord, ok. Ici. Hop. Non. Oh, ça va me saouler. Hop là. Donc ça a l'air d'être du marbre. C'est que j'ose pas trop aller vite en fait. Y'a rien. Dans le doute. Rien à gauche. Pardon. Ok. Oh. Gros. Ah mais genre. Ça m'énerve. Mais. Non mais là y a un problème. Ah merci. Ok. Ah. D'accord, faut vraiment sauter dessus pour les allumer. Passage où on n'est pas allé. Non, monte là. Mais monte. Ça traite de me gonfler. Mais monte, bite Dieu. Là. Là. Maintenant ici. Ici. Et ici. Voilà. Oh, il s'est pas. Mais c'est pas accroché deux fois d'affilée, c'est chiant. Là. Je suis pas du tout en train de m'énerver. Ok. Ah.
Après, moi, je suis parti directement en haut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Graines de poire et de tournesol. Très bien. Ok. Bon, bon, on aurait fait le tour. On aurait apparemment fait le tour. Confiant, mais apparemment on a fait le tour. Il semblerait qu'on en ait fait le tour. De toute façon, on va le voir sur la carte. On va vite faire. Bah, je vais dormir. Mais on verra bien ça sur la carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah non, il y a plein de trucs que j'ai pas trouvé là. Qu'est-ce que c'est que ça? Graine flamboyante. Ok. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir raté des chemins en fait. Tellement longtemps à se préparer ça. Bon. Peut-être plus tard avec des quêtes, peut-être ouais. Non. 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 Là. Baboum. Feuille de verre transparent, planche de frêne, ça on a pas. Ici on est bon, ici on est bon, là ok. Là il me faut des fils de plein de trucs et on n'a pas. Ok. Bon, je peux pas le faire parce qu'il y a les vannes de l'autre. Entends-tu ça, Stella? C'est de la musique? Orgue, des cordes. Ah, comme ça me remue incroyablement. Ces sons mystérieux. Oh, quelle beauté. Stella, laisserais-tu entrer la musique? Ça, c'est défitant pour moi. Laisse les notes te traverser, Stella. Laisse la musique te toucher droit au cœur. Bon, ça se passe comment? Laisse-les te toucher, donc ouais, j'imagine qu'il faut que je fonce tête baissée dedans, c'est ça? C'est ça. C'est comme les lucioles du début, enfin les genres de méduses. Ah, beaucoup trop haut, lui! C'est très chiant! Non, mais mettez le truc encore plus haut, s'il vous plaît, hein, c'est trop chiant. Du tout. Non mais encore plus haut, vas-y. Non mais sans déconner, vraiment là. Tyrolienne pourrait être utile. Ouais, voyons encore. De toute façon, en fait, il suffit d'avoir un bâtiment assez haut, c'est tout, mais là, encore faut-il savoir que le machin, il va te faire monter à 10 mètres au-dessus.
comme lui là. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être le choper celui-là. Ouais. Ok. Bon. Massure à cuit. Ce qui veut dire que techniquement, avec ça, on devrait pouvoir se faire quelques trucs. Planche de chêne, il m'en manque. Il m'en manque 10. Plus 15, ça fait 25. J'en fais plus que nécessaire, mais de toute façon, en planche de chêne, on a besoin pour à peu près tout et n'importe quoi. Mais j'aime vraiment pas ce mini. Entre celui-là et le métier à tisser, ça me saoule. Je préfère 100 fois faire des lingots. C'est pas chiant. C'est quoi? Apparemment le concasseur ça va être super. Mais je sais pas si c'est une vanne ou... Voilà, plein de planches, on est content. Bon, maintenant. La bonne nuit Link, c'était cool ce stream. Ben, merci beaucoup Daiko, désolé pour le compliment, ça fait toujours plaisir. Et la bonne nuit également, merci de passer. Et au plaisir justement. Et ça du coup il me faut des... Ah non c'est des planches de frêne pour le... Ah oui non c'est pas ça. Oui si, le moulin à vent. Produit des farines. Oh, c'est grand ça. Eh cela dit, on pourra peut-être monter très haut avec le... Avec ça et pourra peut-être chercher comment ça s'appelle? Les trucs, l'activité qu'on vient de faire. Alors voyons voir tes farines. C'est moi qui dirige ça, qui... Ok... Oh, ça a l'air très chiant. En fait, ça a l'air d'être le genre de truc où tu le laisses bosser pendant que t'es pas là. Toujours Stella, tu es parvenu à tes fins avec distinction. Et bien que je note que tu as ignoré la plupart de mes indications passées, c'est un bel espace que tu as réussi à construire. Ce sera un environnement de travail bien meilleur que cette maison d'invité. Et en prime, je peux même y déménager. Je peux même y déménager pour me concentrer entièrement à mon travail. Alors ne sois pas surprise, hein, je ne me sens chez moi qu'entouré de mon travail.
Alors que certains entrevoient le fait de dormir au bureau comme une punition, moi, j'en ai plutôt hâte. J'ai hâte de remplir cet espace. Comme c'est excitant, continue. Je vais retrouver mes choses et mes esprits, et je te dirai lequel... lorsque je serai prêt pour la prochaine étape. Ouais, la farine, ça a l'air très long, oui, en effet. Juste voir, hein, on avait le temps pour discuter de Michel, là. Mais j'imagine que du coup, il faut quand même venir jeter un coup d'œil, voir si le moulinet là est toujours dans le bon segment, quoi. J'imagine, parce que sinon, ce serait pas drôle. On n'a pas encore les améliorations ici. Donc, frein et zinc, je peux pas. Aluminium, ah, il me faudra 3 lingots d'alu. On va les faire fondre tout de suite, on les aura au moins. De tournesol, tu obtiens 4 graines de tournesol. Et il faut le mettre au concasseur. Ah, mais en fait, ouais, d'accord, j'aurais pu le voir en fait, l'huile. Ça s'est marqué dessus, mais j'ai pas lu. Les graines peuvent être écrasées à l'aide du concasseur pour en faire de l'huile de tournesol. Graines flamboyantes. On va en planter juste une. Mais attends, mais... C'est des flamboyantes, d'accord, ok. Donc oui, on a les graines, maintenant faut faire pousser ces trucs pour avoir les flamboyantes, ok. À ce que j'en dis, moi. En fait, je sais même pas quoi faire, là. Il y a de tout partout, je sais pas quoi faire. On est où, on fait quoi, à quelle heure? On est en plein milieu de rien. Et il me faut du lin. Voilà, là il y a du lin. Qu'est-ce que je fous avec un rein? Laissez-moi tranquille. Donc pour ça il me faut des lingots de pulsar. Le pulsar on en est loin en fait. Enfin je sais pas hein, mais bon. Zinc, frein, pulsar, pour l'instant j'en ai pas vu un seul. Ah oui tiens, si c'est ça que je voulais faire. Sol. Voilà. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, mais ça on les a pas encore vus. Ça, j'ai pas le pognon. Ça, j'ai pas de silice, pas de zinc, donc je peux pas le faire. Et ça, bah il me faut les flamboyantes et des lingots d'aluminium, il m'en faudra 7 de plus, bon on va les faire. Mais on peut les faire par 5. De toute façon, les 3 silice, zinc, compagnie, frêne, tout ça, on n'a encore vu aucun de ces trucs là. Que ce soit de toute façon, on le voit sur la map en fait. Sur
map quand on arrive dans des endroits que, et qu'on a les ressources, c'est marqué. Là, on n'en a vu aucun, donc... Donc on ne les a pas, on les a pas encore. 5. Comment faire 5 de plus, on les aura. Donc ici, pourquoi je suis venu ici déjà? Ah, sans déconner. Oui, ici les graines de lin, voilà. Oh, et ça va pas. Ah, oh, ce, véritable poisson rouge. Hein. J'imagine que c'est le raton laveur qui les vend. Qui voulait qu'on achète une clé ou je sais plus quoi à un endroit là. Je sais plus où c'était. Un mec était enfermé à l'intérieur ou je sais plus quoi. Mais monte sur. Bon, ouais, bon, on peut pas monter apparemment. Mais si on peut monter. Pourquoi il me fait. Oh, et comment ça va gonfler, Michel? Gain de temps en déplacement. Bon, j'ai acheté des graines de lin. Donc, ça faut que ça pousse. Ah si, je peux quand même. Je peux quand même voir vite fait. Non. Je ne peux pas voir, donc la bonne nuit. Ce jeu m'épuise, je vous l'ai. J'ai peut-être. Ah, peut-être qu'il y a des câbles. Je crois que j'ai un peu la flemme. Oh, et si je plantais de l'aluminium sur Jacqueline là? Ça pourrait être pas mal. Parce que c'est pas que c'est un peu chiant d'aller chercher l'aluminium, mais quand même. J'étais où? Je suis là. Planter du de l'aluminium sur le dos de Olga. Bon, j'espère que une graine n'est pas égale à une plante. J'espère.
Ça me fait penser que... Je sais pas si j'avais... Apparemment, le moulin, ce serait fini. Farine de riz, 1. What? Tout ce temps, t'en as fait 1? Quand on me disait c'est long, je m'attendais pas à ce que ce soit long à ce point-là. Aïe aïe. Parce que là, il me faut ces plantes pour avancer dans le truc du requin de Jean-Michel Bateau. Jean-Michel Bleu de Mer, dans le milieu. De plan juste après. Salut Jacqueline. Mettre du marbre, oui, ça peut être bien ça, mettre du marbre ici. De l'aluminium. Et... Bon, j'en ai encore 18, on va remettre de l'aluminium. Oui, c'est fini. Merci. Bon. Ça. Alors, rassure-moi, on n'a pas une plante, une graine, une plante. Non, c'est une graine, deux plantes. Je veux pas faire ça. Je vais m'en faire une fournée de plus. Oh, ici ça va, ça avancera. Du coup, direction Jean-Michel Requin. Mais d'accord que j'ai assez, hein. Ouais, on est d'accord que j'ai assez pour le destructeur de roche. Tu vas pouvoir planter le lin. Ouais, faut que j'attende que eux soient terminés. Et je replanterai du lin.
Allez, le temps du trajet. Ok, 1. 2. Et 3. Et ben voilà, des câbles. Replantons du lin. C'est quoi? Ah oui, tournesol et coton. Coton pour l'instant ça ira. Lin, lin, du lin. Du lin, comme on dirait. J'aurais pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais au moins on va faire avancer un petit peu le temps de terminer notre trajet. Allez hop! Du coup, le désion. Il faut l'amélioration de je sais plus où. Si, le brise-roche. Ce moulin est impressionnant. Sais-tu comment on appelle un partie de maïs? J'ai peur. Alors devine! Un épi! Alors, le suivant, c'est de la roche de comète. Ah oui, ouais, on y va au-dessus, là, quand même. Hein. Ok, donc maintenant, on est censé pouvoir aller à peu près partout. Puisque là, c'est juste de la vitesse. Fait disparaître les tâches. Chasse brouillard. Ah, c'est peut-être... Non, ça, on est peut-être pas censé pouvoir aller partout, alors. Peut-être pas encore. Mais ça c'est vitesse et ça c'est vitesse. Ok, un, deux diamants, j'ai bien fait de... Donc là il me reste 45 000 et 80 000. Et ça 2800, mais il me faut du silice et du zinc. T'as bien avancé ce soir. Ouais, j'avoue qu'aujourd'hui, contrairement à d'habitude, j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup avancé. Donc, maintenant qu'on a le truc anti-roche... On va pouvoir aller ici, au quai de South Point. Ainsi que. Pas là, pas là, pas là. Je crois que c'était au sud du coup. Ah non, ça c'est pas du. Non, ça c'est pas ça. Donc on ne peut aller qu'à droite. Et bah allons-y. Je vais faire pousser du. D'abord. Ça. En vrai, je pense que je me dis que tout ce qui est pomme et compagnie, la pomme, cerise et poire, vu que je vais en avoir masse, hein, ça va peut-être devenir une source d'argent. Oh, il y a une quête. Rencontrer un obstacle. Comme tu sais, beaucoup de mon travail nécessite que je communique avec des correspondants de confiance. Évidemment, tu m'as beaucoup aidé avec ça. Et regarde-moi de retour en pleine forme. Ouais, il y a une farine qui est prête, donc on va attendre que les trois se finissent. Hein, voilà. Même si je crois que je n'ai pas besoin de secrétaire, j'ai tout de même besoin d'un bureau de travail. Nous pourrions utiliser n'importe quel vieux bureau, mais ce serait aller à l'encontre de notre but, non? J'ai besoin du meilleur pour le bien de l'exposition. A cet effet, j'ai réussi à trouver un menuisier d'excellente réputation. Je sais qu'il demeure à Hawksbury, mais je n'ai pas été capable de le contacter. Alors tu devrais aller investiguer du bon vieux travail de terrain. Et si je ne sais pas exactement où il peut bien être, je sais que sa concubine travaille dans un café. Tu penses que ça peut te mettre sur sa trace? Oh, et en parlant de ça, je réfléchissais. Je suis pas certain que le vaste assortiment d'outils mis à disposition suffira. Comme tout doit être fait de matériaux bruts à raffiner, les matériaux fins requièrent un atelier spécialisé. Tu devrais penser à construire une forge pour nous aider. Une forge? Mais Michel, t'es bien gentil, mais j'ai pas le pognon. Surtout que ça demande du silice et compagnie, donc ta forge là, tu vas l'attendre un peu. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a encore une quête? Une tempête Ah oui, non, les éclairs? Ouais, non, j'en ai 60 et quelques là, c'est bon. Laisse-moi tranquille.
Donc, du lin. Non, je voulais pas faire ça. Ok, on a un plan qui est prêt. Passe la roche. Je pense. J'espère. J'espère que c'est ça. Hein. On va taper un truc. On va peut-être taper le petit vieux. Allez, on récupère tout ça, on replante et on pourra descendre. Ah, des fibres de lin. Le quai de South Point. Et bien allons voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, j'avoue que je m'attendais pas vraiment à ça. What? T'es un taureau, non? Hey Gabine! Bienvenue! Y'a ce mec là-bas, ne le regarde pas. Regarde-moi. Ouais, alors ce mec, il nous fait des misères, hein, il nous rend la vie difficile. Il fait merder toute notre opération. Je peux pas t'en dire plus. Disons seulement que ce serait bien si cette personne prenait un peu de vacances. Tu comprends? J'ai l'impression que tu t'occupes de lui. Pigé? Fais ça bien et sans histoire. Hein. Tu n'as l'air de rien, mais je le vois bien. Tu as les yeux d'une putain de tueuse. On va voir ce que tu peux faire. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je me regarde comme ça? Ok, ok, relax. Hein. Attends une seconde. Est-ce que ces deux têtes brûlées t'ont demandé de m'intimider? Arrête de me regarder comme ça. Ah, tu peux arrêter ton cinéma, hein. Je peux pas dégager ce boulot. J'ai des bouches à nourrir, pas des bûches. Je vais pas laisser deux gros mecs me dire quoi faire. Et ils sont pas subtils. Hein. Ils ont cherché aux alentours une personne pour les aider à envoyer des produits de contrebande sur les autres îles. Ça ne va pas marcher avec moi. Tu peux leur dire ce que tu veux. Je m'en fous. Demande quelque chose, je sais pas quoi. Tu m'as dit que tu mangerais... Oui, tu m'as dit que tu mangerais mes poissons rouges un par un jusqu'à ce que je planche. T'aimes ça? J'en ai d'autres. Hein. En fait, je suis un écrivain dans mes temps libres. En tout cas, pourvu qu'ils descendent de ce qui... Qu'ils descendent de ce qui, pardon. Oh, j'ai du mal. Et qu'ils passent à autre chose, d'accord? Bien. Alors, avant de lui parler, on va continuer à faire un petit tour, là, histoire de... Plus de marbre. Oh! Mais il y a plein de trucs ici, c'est trop bien! Des câbles! Ok, là, on serait au bout, apparemment. Très bien. Ça va bien. Alors là, il y aura un passage là-haut, apparemment. Mais on va pas assez haut. Bon. Il tremble dans ses bottes. Quelle lâche. Je pouvais pas voir d'ici. Qu'est-ce que t'as utilisé? Attends, je vais me renverser. Un bon vieux coup de la corde raide. Ça me fait rien. Il a l'air brisé. Tu as brisé cet homme, gamine. Et pour ça, tu as le privilège de nous faire... de nous faire faire un tour. Allons sur ton bateau. D'accord. Très bien.
complètement débile. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas entrer dans ma cabine, très bien. Faut que je parle obligatoirement à Michel. Bon. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, déjà, tu vas te calmer. Sinon, je te refous à la flotte. Bon, oh, stylé. Alors, tu regardes pas, hein? C'est moi qui parle. C'est mon frère Mickey du type silencieux. Cette question, tu passes par moi. Capiche? Bon. Tu as fait du bon boulot en intimidant studio. Facile. Mon frère ne croit pas que tu as assez de talent pour diriger ce bateau. On aurait peut-être seulement à te le prendre. Ouais, pense à ça. A plus. Ah, ton frère, c'est l'oiseau, là, c'est ça? Bon, Michel, tu vas faire un câlin et tu vas te calmer tout de suite. Ah, et l'oiseau lui fait un câlin aussi. C'est l'oiseau qui parle. Ah, c'est l'oiseau qui parle. Ah si, je t'ai déjà donné une pomme. Mange des cerises. Voilà. Et fais-moi un câlin. Toi, t'as faim? Oui, t'as faim. Mange une pomme. Tu veux un câlin? Fais un câlin. Il est où? Oh, par contre, ça, je récupère. Bon, on a perdu un, hein, je sais pas où il est, tant pis. Ah, il était là, Jules, je le voyais plus. Bon, maintenant qu'on a ça. Libère-moi un peu de zone ici. Un truc que j'ai pas vu. Un minerai d'or. Oh, j'ai pas vu ça. Il y a des trucs que je connais pas. Minerai de pulsar. Oh. C'est quoi? Ah oui, ça, on peut pas y aller pour l'instant. Donc c'est là que ça se récupère. Old Central District. Ah, on a pas une quête à faire ça là-bas? C'est quoi ça? Roche de comète. Ah bah voilà, impeccable, on débloque plein de trucs. Oxbury. Ok, bon bah c'est bien. Voilà, on débloque plein de trucs, c'est cool. Mais je suis curieux là, le minerai d'or là, ça m'interpelle un peu quoi. Quand je vois de l'or, j'en veux quoi. Ah, je le vois. Je l'ai vu sur le dessin d'arrière-plan. Il est tout en haut. Alors après, je sais pas si on va pouvoir le récupérer maintenant en fait. Parce que là, je peux pas y monter, à moins qu'on puisse monter sur les barreaux, non. Eh bien. Sauf si. Si on fait un truc comme ça. Bah voilà. Tu disais quoi, pardon? Oui, c'est oui, ce que je disais de la grue. Mais c'est que j'arrivais pas à monter là tout à l'heure en fait. Ça pour l'instant on peut pas. Donc j'ai récupéré du zinc et ça c'est cool. J'ai aucune idée d'où il est par contre. Ah là. J'ai abordé une barrière. Donc ouais, on a prévu récupérer nos premiers morceaux de zinc. Ne pas rater. Nice. C'est pas là. Ouh, il y en a. C'est un ascenseur. Très bien. Mais c'est pas de l'or en fait. J'étais revenu pour de l'or moi. Minerai de zinc encore, très bien. Ah. Ouais. Bon, il y aura peut-être probablement un truc au-dessus, mais pour l'instant je peux rien faire de plus.
Et bah ok. T'es, on a récupéré du zinc, c'est pas ce que je voulais, mais on a un truc en plus. Donc, ça me va. Je le vis bien. Je le vis très bien, ça ira, voilà. Bon, j'imagine qu'on n'a pas un truc qui demande que du zinc, hein, voilà, ça m'étonnerait. Bon, et on va se faire notre... Ouais, on va d'abord aller là. Le truc de pulsar, là, pour voir. J'ai pas sonné la cloche. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu viens de montrer de quel bois tu te chauffes. Tu dois combattre des rayons pulsars. Oui, bah j'y vais. Bonne idée, Mickey. Il veut te voir en pleine bataille. Il devrait y en avoir près d'ici. Organise-toi pour que ça arrive. Oui, c'est... Oui. Mec, m'arrête pour me dire d'aller là où je suis déjà en train d'aller. Relou. Pas relou du tout. Et on fait passer d'un stade de plus. Et on va faire sa pluie de pulsar là. Voilà. Tac. Bon. Pourquoi t'es pas content encore? Tu prêtes pour une vraie bagarre? Ils vont arriver de tous les côtés. Lance-toi tête première dans le jeu. Ne fais pas ça. Et ne fais pas dans ton pantalon. Charge-les. Ne s'en fais une lâche. What? Ah! Oh! Ah, ok, d'accord. De Dieu, ça va être compliqué. Évidemment, les trucs qui pop tout en haut, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. What? Ah oui, il y a ces détourbillons et tout. Ok, très bien. C'est pas chiant du tout. C'est pas du tout relou. C'est vraiment pas du... Mais il m'a esquivé en plus. Le truc m'a... Attends, le seul moment où je saute, le truc me fait hop là. Tu te fous de moi? Mais le jeu se fout de ma gueule. Non mais reviens. Non mais... Mais... Et on arrête de se foutre de ma gueule derrière. Je t'entends. Mais c'est tellement de la merde. C'est tellement nul. Excusez-moi, mais c'est beaucoup trop naze. T'as vu ça, Mickey? Ouais, c'est ça, ouais, c'était trop bien, ouais. Trouve un bon surnom pour toi. On te fait une promotion, tu passes de gamine à scout. Wouhou. T'aimes ça? Bien sûr que oui, qui n'aime pas ça, scout? Personne. Ça veut pas dire que tu peux te reposer, t'es encore en dessous de nous dans la hiérarchie de la vie, dégage. On a des choses à faire. Tu m'as gonflé! Les pulsars, c'est loin. Ah non, mais. À quel moment tu fais des particules à looter qui t'esquivent? Sans déconner! Thank you.
Ok, clairement, hein, pour l'instant, pire mini-jeu. Vraiment pire. Putain, j'en ai eu 9. Wouhou. Ah, c'est la joie. Oui. C'est quoi? C'est... non, je sais pas qui c'est. Bah ça clairement, bon, on a peut-être, toi t'as peut-être trouvé le meilleur, mais moi j'ai trouvé le pire. Non mais à quel moment tu fais des loots qui t'esquivent, enfin sans déconner. Oh là sérieux quoi. De blé, grain de canne à sucre et grain d'olive. Bon, bah non, on va aller faire ça pour voir qu'on rigole, hein? Parce que les mini-jeux, c'est fun! Et qu'on s'éclate! Alors, il me faut encore 2 lingots de pulsar et 5 de zinc. What? Ah oui. Ah, il n'y a plus de charbon. Très bien. Oh, ça a l'air joli derrière. C'est quoi qu'on voit pas? Oh, c'est quoi la zone dans laquelle il faut le mettre, sérieux? Ça, l'arrière-plan, ça me rappelle les pluies d'étoiles de Starbound. Voilà, bon, ça, on l'aura. Bon, c'est quoi dehors du coup? Ah, j'ai pas le PNJ pour les faire? Ah, j'ai pas le PNJ pour le faire. Bah tant pis. J'ai pas le bon PNJ. Donc on a ici... Grain de pomme de terre et grain de mur. Et ici. Bah j'allais même là. Du coup on sait déjà globalement ce qu'il y a. Sérieux ce mini-jeu quoi, les loots qui t'évitent. Thank you.
Qu'est-ce que tu veux, toi, là-bas? T'es où? Qu'est-ce que tu fous là-bas, en plus? Viens te promener avec nous. D'accord. Bon, tant qu'à y être. Parce que la nocif en haut de l'écran commence à me gonfler. Tiens d'ailleurs, toi, t'as pas faim? Ah bah si. Mange des cerises, ça ira mieux. Ah, ça y est. Donc, et bon, on va faire de la farine de maïs cette fois-ci. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Non, je veux pas rentrer. Qu'est-ce que tu vois ici, hein? Rien. Tu n'as rien sur ce bateau. Ça rend Mickey malade. Il faut que tu redonnes la forme à ton bateau, t'entends? Construisons quelque chose qui laissera vraiment sa marque sur ce bateau. Comment? Bonne idée, Mickey. Tu as besoin d'un concasseur, oui, je sais. Il faut que tu réduises la roche à néant. T'inquiète pas, même une débutante comme toi peut le faire. Go! Qu'est-ce que t'attends? Ben, j'attends d'avoir le bon matos et laisse pas tranquille. Au casseur, du coup, il manque le frêne. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Quoi? Eh, nous sommes les Thais Boys. Quand on arrive, on prend tout le plancher. Rien? T'as jamais entendu parler des Thais Boys? Ça n'a aucun sens. Nous sommes ici depuis des années, trimant dur et découpant les rythmes. Pas sans le mot. Améliorons la marque. Je ne crois pas que tu aies bien entendu notre nom. On s'appelle les Thais Boys. Comprends-nous bien. Jour et nuit, on est dans les rues. On rappe. Lâchant dans le micro les rimes pour que ça trime, que ça... Ouais, bon, bref. Il m'a fait un wesh, hein, donc excusez-moi, j'ai zappé. Hein. Être à l'ouest, alors. Écoute, pour te faire pardonner ton honteux manque de culture, tu nous fais une faveur. Voici quelques copies de notre nouvel album, Running Secret Dog. Tu n'as qu'à le livrer aux membres de notre équipe dans la rue. T'inquiète pas, ça devrait pas être long, écris ça. Pourquoi tu n'oublies pas... Va-t'en, ouais, balance tes... Ouais. 60! Ah mais clairement, combien? Il veut que je distribue 60 albums. Mais non mais... spoiler, je la fais pas la 4, hein, spoiler. Vraiment. Hmm? Ah bah j'ai 60 en tout cas. Doxbury à 10 000. Diorama miniature devrait être vendu. Du bœuf. Pour ceux qui ne sont pas assis sur leur steak, c'est la viande pour moi. Mais je vais en prendre une. Et un œuf. Une coquille dure, un centre mou. Ouais, c'est un œuf. Merci. 2000 la graine de mûre, putain. Dans le verger, hein? Bon, est-ce qu'on peut lui vendre des pommes et tout ça là? Parce que 86 pommes, ça devrait aller quand même. Regardez, j'en ai une dizaine. Oh, ça se prend bien les cerises, eh. 50 par cerise et j'en ai 120 et quelques à vendre.
Tout bien. Donc ouais, je pense que ça va devenir... Ouh, et on a le succès, sortir les poubelles. Ça va devenir une de nos sources de pognon, hein. Pareil, je vais en garder une dizaine. Les poires 70. Oh, ça va. 400 le chou, ah oui. Ah oui. Sur 10, hein, voilà. Et je voulais voir... Ah oui, 300 les feuilles de thé. C'est plutôt pas mal. Hein. Ah mais les descriptions d'objets. Hein. Cette farine, c'était du riz. Maintenant, c'est encore du riz, mais plus fin. Bien vu dans le trafic de thé. Ah, mais entre le thé et les cerises, là, il y a moyen. Ouais. J'imagine qu'il y a plein de trucs planqués partout dans cette ville. Oh, bah tiens donc. Donc un nouveau pouvoir ici. Un truc là-haut à récupérer. Putain, je vais monter là-dessus. Voilà. C'est bon. Améthyste, bol de céramique et vieux tapis. Très bien. Pas de moi, j'ai une rare maladie, je déteste quand les gens me parlent. comme Burkani, ou Watazito, ou Grognognou. Oui, oui. Fais gaffe, hein, Game Freak, il pourrait te payer droits d'auteur. Très bien. Très bien, très bien. Bonne nuit. Puis je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Bientôt une heure du... Enfin, même une heure du mat passé. On va pas tarder à s'arrêter. Mine de rien, on aura pas mal avancé. Hein. Comme je disais, contrairement à beaucoup de lives Spiritfarer qu'on a fait précédemment, cette fois-ci j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment bien avancé. Juste au moins faire ça, qu'on y voit quelque chose. Ok, donc là il faudra le truc de la brume. D'ailleurs, est-ce que je peux te mini-spoiler à propos des cultures pour t'épargner du temps pour plus tard? Pour les cultures, ouais, ouais, carrément. Dis-moi, dis-moi. Oui, enfin après j'imagine qu'il va falloir que je fasse un deuxième truc comme ça. Deux de chaque, ça pourrait être bien, je pense. Verger de ce que tu viens d'acheter, un verger de pêche. Ok. Bah de toute façon, oui, je comptais en faire, donc ouais. Très bien. Je comptais bien faire ça. Je veux un verger de chaque arbre. Coton, blé, et du coup on a acheté la canne à sucre. Je vais faire les trois derniers lins qui nous restent, et ensuite on fera le reste plus tard. Je les ai pas réveillés. Voilà. Ah, j'ai l'impression que la farine de maïs ça va plus vite, non? Peut-être, je sais pas. Donc que ça en a fait qu'une.
Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Bon. Ajoutons un cadre. Ah oui, qu'est-ce qu'il voulait lui pour son cadre, voir si on peut terminer les trucs avant de se quitter pour ce soir. Clé que tu as trouvé, ce visier. Ah oui, oui, de toute façon les clés, oui, non, faut les acheter, ça c'est sûr. Mais là pour l'instant j'aurais pas envie de claquer ma thune. Atule. T'es pas ici. T'es là. Ectoplasme en bouteille, j'ai pas. Il nous manque que le. Enfin, il me manque le verre. Ectoplasme en bouteille, on n'a pas encore vu ça, si. Je sais plus. Un fil de linge pour améliorer ça. 8 fils de lin, ça se fait ça. C'est plus tard l'ectoplasme. Ok, d'accord. C'était pour être sûr. Merci de me confirmer. Oui, les ectoplasmes, vu comment c'est, clairement ça sonne comme pour les. Les trucs qui t'esquivent là qu'on a fait tout à l'heure là. Tac, voilà. Maintenant il y a des guirlandes. Ça, on est bon. Ça, planche de frêne. Planche de frêne et feuilles de verre transparent. Ok, donc là on peut pas faire grand chose de plus. Ici on n'a pas encore. Là on est bon. Là chez Summer, bon bah il y aura plus grand chose à y faire. Là on est bon, là on est bon, on est ok. Le moulin peut-être? Non. Ça non. Et, ah oui. Ah oui, tissu de lin et tissu de nébuleuse. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je refasse ça aussi. Il me faut des trucs de nébuleuse. C'était où déjà une nébuleuse? C'était sur on va appeler ça des events. Ah, et aluminium et marbre, ici ça a poussé. C'était sur quoi les nébuleuses déjà? Non, c'était pas ça. Ça, c'est la foudre, c'est pas ça. C'était peut-être ça, non? Ouais, fibre de nébuleuse, c'est ça. Allez, on va se le faire histoire de tant qu'on est là. Oh, il y a une île là, j'avais pas vu. Canopée obscure. Oh! En plus, il y a le bus à côté, donc autant en profiter. Alors c'est des tissus d'ailleurs, j'ai même pas fait, je sais même plus, c'est des tissus et des... Tissus de lin, il m'en faut 4 de plus. Et ça ira. Non, pas ça. Allez, tac, voyager à l'autre bout. Très bien. On va aller chercher des nébuleuses. Mon dieu, il y a une livraison de taureaux. Bon. Ah oui, non, c'est vrai que c'est un par un. Ah
Viens ici, toi. Non mais... Voilà. Ok. Ça en est bon. Non, c'est pas ici. C'est au-dessus. Fibre de nébuleuse. On va faire ça de plus. Du jardin, les légumes respirer et se balancer, amélioration, baboum. Voilà. Allez, on va récupérer la farine qui a pop et on va s'arrêter là pour ce soir. Il reste encore une qui travaille. Bon, en soi, j'imagine que ça doit genre peut-être pousser plus vite si si elle est améliorée, tu vois. Je vais reprendre le bus, me re-TP de l'autre côté de la map, histoire que comme ça la prochaine fois, je sais où je dois aller. On va en profiter, on va tout arroser. Se portent les arbres, tout va bien. Pas de fruits à récolter. Voyager à l'autre bout. Ah, j'avais dit que j'allais chercher ça. Ouais, je vais aller chercher ça et puis on s'arrête. Allez hop. Pardon. Qu'est-ce que ça dit pour la farine? Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas regardé pour la farine de maïs, qu'est-ce que ça dit? Farine facile à utiliser pour épaissir toute sauce. Ah, c'était mieux le riz. Allez, on va récolter ça. Et merci. On récupère, on replante, on va voir Olga, on replante et on s'en va. Du coup, on va faire canne à sucre. Canne à sucre et coton. Voilà. Bon, du coup. Moi, je me suis raté ce saut. Ça tellement cool ces jumps. Ah,
Un peu de marbre. Faut que je vois si je peux mettre du pulsar et... Le pulsar et le zinc. C'est toujours ça de récupérer. La mobilité de celle-là est tellement cool. Ouais, c'est clair. Donc je peux mettre le zinc. Pulsar, ça veut dire que j'en ai plus. Je l'ai pas validé. Ah! Oh, bûche de frêne! J'ai même pas fait gaffe. Où est-ce que j'ai chopé ça? Bon, bah on va la faire cuire. La faire pousser ici. Ah non, c'est que je ne peux pas le faire planter ici. Dans une cage, je prends. Ah oui, c'est probable, oui. C'est probable. Bah, re du zinc, hein. Hop là. J'ai beau à te dire. Oui, bah, je dis au revoir à Olga. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as faim? Mange une pomme. Fais un câlin, ça ira mieux. Très bien. Toi, la bouffe dans mon ventre, maintenant. Oh et oh, il va se calmer déjà. Bouffe une cerise. Cette merde est bien trop simple. Tiens, ton poisson grillé, tu le veux, c'est bon, t'es content? Eh, mais même le poisson grillé, il le veut pas! Non, mais Michel, il va pas bouffer de sa vie, hein, j'annonce, hein! Tiens, c'est bon, ton truc là, ton. Voilà. Ton plat est assez élaboré, c'est bon? Ah, oh, il va être relou, lui. Il va vraiment être relou. Non. Ah, ils sont chiants, hein. Très très chiants. Bon, allez. On va donc s'arrêter là pour cette session. Ah, je peux pas encore dormir, donc c'est pas grave. Sauvegarder et quitter. Et comme je dis, on va s'arrêter là pour cette session. Bah, comme je dis, mine de rien, j'ai vraiment l'impression d'avoir avancé aujourd'hui. Et c'est quand même très agréable, hein, on va pas se le cacher. J'espère quand même que ça vous a plu, ce live. Combien on a passé? Eh oui, presque 4 heures dessus. Donc ouais, t'es méthode que j'ai l'impression d'avoir avancé. En tout cas, ouais, comme je disais, j'espère que ça vous a plu. Pour le coup, on se retrouve dès demain. Demain, petit live, un petit particulier. Normalement, hein, j'espère. Que ça se fera. Et pour le coup, eh bien, merci à tous d'être passés ce soir. Comme je dis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.